Bonjour à toutes et à tous. Comme tous les samedis, Samedi Sport est au rendez-vous. Merci de votre soutien, de votre accompagnement, de votre confiance. Excellente journée et bon week-end déjà, parce qu'on a 3 heures à passer ensemble et nous voudrions que vous soyez à l'aise durant le temps de votre émission Samedi Sport sur Sport FM. Eh bien, Samedi Sport parle ce jour de la nomination du directeur en technique national, Nyeni Sebabi. Point n'est besoin de vous le rappeler. Nous évoquons les nouvelles des éperviers Fagnon à quelques semaines de la reprise des compétitions. Les éperviers locaux sont également concernés après l'annonce de la nouvelle date pour le CHAN, c'est-à-dire du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Les hommes d'Abalo Dossé n'ont plus quelques mois pour s'apprêter pour la compétition. Samedi Sport prend en compte aussi les élections préfectorales dans les districts de football. Elles ont lieu à compter de ce jour et ce jusqu'au 15 septembre prochain. Nous allons écouter des candidats dans ce magazine. Samedi Sport est sur le continent avec le football béninois en pleine réorganisation. Nous en parlons avec le confrère togolais qui vit au Bénin, Robert Copin Edor. Nous parlons également des nouvelles dates fixées par la Confédération africaine de football dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 du CHAN. L'international, c'est l'affaire d'Angelo Folico et Ligue 1, Première Ligue qui démarre aujourd'hui, Ligue des Nations. On parle principalement de l'Allemagne avec ses 2 matchs nuls pour commencer, de l'Espagne et de la France, d'une note de transfert avec l'Inter Milan qui propose une grosse somme à Chelsea pour récupérer N'Golo Kanté, mais les Blues ont refusé. Nous parlons tennis avec l'US Open, on connaît l'affiche de la finale dames, ce sera entre Naomi Osaka et Victoria Azarenka. Chez les messieurs, ce sera bien sûr Alexander Zverev et puis Dominique Thiem. On parlera également NBA et la vitesse avec la Formule 1 et le MotoGP à Saint-Marin. Gueulard Inoussa est en ligne pour l'actualité du Septentrion, notamment les élections préfectorales dans les districts qui ont commencé au nord déjà. Il va intervenir pour nous situer. Samedi Sport invite aujourd'hui Jean-Paul Dossé à Balo. Il est le sélectionneur des éperviers à Prime. Il est accompagné d'Augustin Améga, patron de la communication autour des éperviers Fagnon. Ico Rodrigue sera dans l'émission. Dion Atissot d'Africa Top Sport sera également là. Aristide Quévidien d'Afrique Info Sport. On vous l'a dit, on aura un représentant de la liste de la liste stabilité portée par Sodiné Aziamalé. Un représentant aussi de nouvelle relance portée par Esso Pédessi. Samedi Sport, mise en onde Anas PM. La vidéo, comme toujours, c'est l'affaire d'Eloma Dovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Et moi, je me nomme Franck Nounyama, bienvenue. Eh bien, votre émission ou bien votre chanson de bienvenue est dans la machine avec Anas PM. Dans quelques instants, vous l'aurez. Elle va résumer, elle va résonner bientôt. Bonjour Léonce Gbati. Tout va bien, j'imagine. Kadé nous Kadé, on dit quoi? Brocadio Faustin n'est pas très loin de lui. Bonjour à vous, excellent week-end. Dodi le Mancunier, voilà. Avec le nouveau maillot des Mancuniers, très joli. Maillot zébré, on peut le dire. Merci de nous faire confiance, Innocent le Taximan. Francis Doku, ça va, tout va bien. Épervier de Kégué, on sait que tout le monde est au rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous là-bas. À Kégué, Algora Gungra, un passionné de premier plan de la chose footballistique, Gérard Sélassié n'est pas du reste. Nous disons bonjour au brigadier Sim Liwa, qui est un inconditionnel de Sport FM. Commissaire Kofi, bonjour. Palmer Koumoudi, tout va bien, j'imagine. Thomas du Grand Marché, Mama Togo, Mama Gorozozo, Mama Sport FM, j'estime que tout ce beau monde va
bien. On en oublie certainement, on ne peut pas toucher tout le monde. On voudrait bien dire bonjour également à tous les confrères qui passent nous aider ici, dans toutes nos entreprises, dans toutes nos initiatives. Nous disons bonjour également au personnel, naturellement, de la référence sportive. Et devant moi, Anas PM et l'homme à Dovon. De l'autre côté, Michel Abali. Bonjour à tout ce monde-là. Bonjour également à toute l'administration. On commence par la supervision tenue par Aimé Epé, la direction financière tenue par Foudou Seydou, la direction générale avec Madame Gina Lawson et puis la fondation tenue par l'honorable Joseph Tico Kofi Akoda. Bonjour à tout ce beau monde. Bonne arrivée, Angelo Folikoué. Merci. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Tout va bien? Ça va, merci bien. Et comme toujours, on va commencer par l'international. Eh bien, ce qui nous intéresse d'abord, c'est la Ligue des Nations. Et la surprise, un peu, c'est les deux nuls de la Mannschaft pour commencer cette compétition. Un nul face à l'Espagne, on pourrait le comprendre, parce que l'Espagne reste quand même une très grande nation aussi. Et puis, un autre nul face à la Suisse. Je pense que ces deux matchs nuls ne sont pas quand même des résultats négatifs. Hein, quand on considère le contexte, il faut reconnaître que Joachim Löw a tout simplement rajeuni son équipe en laissant, je peux dire de façon logique, en repos tous ceux qui ont participé au Final 8 de la Ligue européenne des champions. Donc les cadors ont été justement, on peut dire, exemptés par rapport à ces deux matchs-là. Et donc ce sont les jeunes qui sont en train d'arriver, qui ont eu le mérite de disputer ces deux matchs. Et donc on peut comprendre que face à l'Espagne, oui, c'était un nul arraché à la dernière minute justement par la Furia Roja, sauf que face à la Suisse, on s'attendait à, on dirait, à un peu mieux hein, de la Mannschaft, sauf que là aussi, finalement, c'est un match nul face à une équipe ou bien sélection suisse qui n'est pas forcément au pédigré des grandes nations de football. Maintenant, il ne faut pas aussi être alarmant, même si on doit quand même réfléchir à la suite, parce que lorsque vous n'arrivez pas à gagner des points au niveau de votre ligue, de votre groupe dans cette compétition ou ce tournoi, mine de rien, vous risquez d'être regressé en Ligue B, Ligue C, voire Ligue D. Donc, oui, on peut peut-être d'une part s'inquiéter pour Joachim Löw et sa troupe, mais au même moment, ce genre de résultat doit mettre la pression, je peux l'appeler ainsi, positive sur ces joueurs, histoire de faire mieux les prochaines fois. Donc, il faut quand même apprécier aujourd'hui le fait que l'Allemagne est en train d'amorcer une autre cure de jouvence. Dans 2, dans 3, dans 4 ans, les joueurs comme Kai Havertz, comme Timo Werner et tous les autres, Robin Gosens, seront les têtes d'affiche de cette équipe allemande. En tout cas, et tout le contraire pour les tricolores, la France qui aligne 2 victoires. Déjà, une victoire en déplacement contre la Suède et puis l'autre à la maison face à la Croatie, c'était un peu le remake de la dernière finale du Mondial 2018. La France, contrairement à l'Allemagne, a une bonne profondeur de banc, des joueurs qui sont pratiquement prêts à être mis sur le tapis, surexcités à jouer. Et quand on voit, par exemple, que Paul Pogba, covidé, a été remplacé par un certain Kamavinga. Vous comprenez que, oui, quand le jeune Français d'origine angolaise rentre sur le terrain, vous sentez une certaine fraîcheur dans le jeu. Il est posé, il est réfléchi, il va au taquet, il va récupérer les ballons, délivrer des passes décisives, il tente même des tirs de loin. Vous comprenez que l'équipe de France aura toujours, je dis toujours, des joueurs de valeur. Vous arrivez en défense, Umtiti certes blessé par rapport à sa forme physique. On va chercher Upamecano pour le remplacer de façon valable. Il a même marqué un but la dernière fois dans cette équipe de France. Donc de façon... Dans l'ensemble, on peut dire que l'équipe de France a toujours un bon vivier. Quand vous considérez le schéma des sélections ou des pays qui envoient beaucoup plus de joueurs à l'étranger, il y a le Brésil en tête qui fournit énormément, un gros contingent de joueurs à l'étranger. Et puis derrière, c'est la France. Donc vous comprenez aisément que Didier Deschamps, même si par moment on sent un coup de mou au niveau de la production de jeu des Bleus, il y a des joueurs de qualité. Et je le dis encore une fois, l'équipe de France a toujours une histoire
très très lié à l'Afrique. Et ça, ça ne sera jamais le contraire. Vous prenez N'Golo Kanté d'origine africaine, Paul Pogba d'origine africaine, Nzonzi de la RDC, Umtiti du côté camerounais. Donc, il y en a plein. Quoi qu'on dise, ils sont pleins, ils auront toujours leur place en bleu. Et on va noter la première de Eduardo Camavinga, dont vous parlez il y a quelques instants, à seulement 17 ans, 300 jours. Il reste le deuxième joueur le plus jeune à avoir joué, en tout cas en équipe de France. C'est vraiment précoce et je pense que c'est un destin fabuleux pour ce jeune joueur qui est arrivé en France à l'âge de 3 ans, dont les parents sont d'origine angolaise. Et petit à petit, il a gravi les échelons au niveau de la formation du football français. Et quand on l'a découvert du côté de Rennes, on s'est dit, tiens, mais qui est ce magnifique joueur innocent, voilà quoi, mais qui a eu un talent immense. Et la dernière fois, voir Didier Deschamps le sélectionner, pour moi, ce n'est pas du tout une surprise. Ouais. Je pense qu'il a une grosse marge de progression. Vous le voyez au sein ou bien au cœur du jeu rennais. C'est quelqu'un qui est très à l'aise, qui balle au pied, est au-dessus de la moyenne. Et je pense que la dernière fois, valablement, il a remplacé Paul Pogba. On n'a même pas senti l'absence de Paul Pogba. Et quand on va un peu dans son intimité, il dit que Paul Pogba est l'un des joueurs favoris, ou bien l'un des joueurs qu'il adore. Et lorsqu'il est arrivé à Clairefontaine, on lui a même donné la chambre de Paul Pogba. Donc vous comprenez quelque part que oui, dans 5, dans 10 ans, ne serions pas étonnés de voir Camavinga être la coqueluche du football français. Pourquoi pas avec un pied gauche assez intéressant comme celui d'un certain Dembélé. On verra bien. Et on parle toujours, mais on reste dans la Ligue des Nations avec Cristiano Ronaldo qui aligne toujours, on va dire, les plus beaux souvenirs. Il est déjà à 101 buts en sélection. Oui, 101 buts en 165 matchs avec la sélection. Cristiano Ronaldo n'a plus rien à prouver. C'est vrai que face à la Croatie, lors du premier match de cette campagne de la Ligue des Nations, il était absent, il avait contracté une infection à la cheville. Mais bon, petit à petit, travailleur qu'il est, opiniâtre, il est revenu rapidement guéri. Et il a tout de suite récupéré son brassard de capitaine et il a encore montré la voie à ses coéquipiers la dernière fois. Je pense que c'est ce joueur, on ne dira jamais assez, c'est un super athlète, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait de ce qu'il fait. Il repousse tout le temps les limites. 101e but en sélection, je le disais tantôt, en 165 sélections. Je pense que c'est assez formidable. Il a envie, il a dit hein, à la fin du match, même si c'était dans un stade fermé à huis clos, qu'il aimerait avoir beaucoup plus de public. Quand ce public-là le siffle, ça lui donne de l'adrénaline, ça lui donne vraiment de la force à donner mieux. Et il a en point de mire le record d'Ali Dei, le recordman hein, de réalisation en sélection 109 avec la sélection de l'Iran. Donc, à 8 buts, Cristiano Ronaldo, avec cette forme-là, je pense qu'il va dépasser Ali Dei et rester dans l'histoire de la sélection portugaise. Voilà, ce qui concerne la Ligue des Nations, on reste en football et on va parler un peu, j'allais dire, des majeurs. Mais la reprise, c'est ce jour. Oui, la reprise du côté de l'Outre-Manche en Première Ligue, c'est ce jour. On serait surpris comme quoi la Première Ligue reprend en septembre. Mais on peut comprendre aisément que le coronavirus est passé par là, ça a chamboulé tous les calendriers. Et donc la saison a été un peu plus longue que prévu. Heureusement que tout est programmé de façon constante dans le temps. La Première Ligue a tout simplement décidé de récupérer non seulement les droits de télévision et surtout de reprogrammer les matchs pour le compte de la QV 2020-2021. Et là, ça démarre cet après-midi avec un premier match Fulham-Arsenal qui est un derby de Londres, puisque Fulham revient en Première Ligue, un club situé au cœur de Londres. Bon, est-ce que dans ce match-là, il y a un favori? Je pense quelque part que le coronavirus est toujours dans la tête des gens. Ça va se disputer à huis clos. Et donc, on ne va pas tout de suite voir des matchs flambants ou spectaculaires. Mais toujours est-il qu'il faut commencer par là. Il faut redémarrer la saison. Et qui sera le successeur de Liverpool? La question reste posée. Qui reçoit d'ailleurs Leeds, le promu. À quoi ressemble une telle partie ? Liverpool, on se rappelle les derniers matchs de championnat, ça n'a pas été aussi
efficient comme en début de saison où les Reds ont tout écrasé sur leur passage. Ils ont fini quoi? Avec 99 points, avec plus de 18 points sur Manchester City. Les joueurs de Jürgen Klopp peuvent récidiver, peuvent revenir et récupérer encore ce trophée. Mais là, dans ce match face à Leeds, je ne m'attends pas à un match de haute volée. Il va falloir peut-être aller de façon crescendo. Mais Leeds, par exemple, peut créer la surprise. Les champions quand même au niveau de la deuxième division. De la Championship, oui. Entraîné par un certain Marcelo Bielsa. Ça peut, pourquoi pas, démarrer fort avec cette équipe qui a attendu 16 ans avant de revenir en Première Ligue. Et donc, ça peut être, je peux dire, la découverte de cette Première Ligue-là. Donc, je m'attends à un match assez intéressant, même si pas forcément d'intensité entre Leeds et Liverpool. En tout cas, les enjeux, bon, vous l'avez dit un tout petit peu, mais on sait aussi que Chelsea s'est renforcé sérieusement avec une enveloppe d'un peu plus de 220 millions d'euros. C'est d'aller chercher le titre. Ils ont les moyens finalement. Je pense que lorsqu'une équipe est aussi active ou un club est aussi actif sur le mercato, c'est pour envoyer un signal fort aux adversaires. Et Chelsea serait peut-être dans cette peau de favori. Mais j'ai quand même, pas des doutes, mais des petites retenues. Parce qu'aujourd'hui, certes, on comprend comme quoi Jürgen Klopp qui titillait un peu Frank Lampard. Hein, vous pouvez récupérer les 11 meilleurs joueurs du monde, mais il faut du temps pour avoir une certaine assise dans le jeu pour avoir du résultat. Donc, bon, quelque part, on comprend aussi que Liverpool n'a pas su dépenser pour avoir un autre effectif. Chelsea, favori, je ne le dirais pas. Parce que tout de suite, ce serait compliqué d'avoir la mayonnaise. Vous avez Hakim Ziyech, vous avez Kai Havertz. Kai Havertz, quand vous le voyez jouer, pour ceux qui suivent la Bundesliga, il est pratiquement comme Lionel Messi. Il a le style de jeu typiquement Lionel Messi, capable de casser les lignes, dribble balle au pied, capable de jouer de la tête, de marquer de la tête, de faire des passes de loin. Et ça, je pense que c'est très important le dispositif de Chelsea. Autre joueur qui est arrivé, c'est Timo Werner, qui risque de balancer sur le côté un certain Tammy Abraham, qui était le fer de lance de Chelsea la saison dernière. Dire aujourd'hui que Chelsea est favori, d'accord, on peut le lui concéder, mais devant Chelsea, on peut mettre Liverpool qui est capable, je le disais tantôt, de récidiver, de récupérer encore une fois ce trophée qu'il n'avait plus gagné depuis 30 ans, ce qui a été fait la saison dernière. Mais au même moment, la force de Liverpool, c'est qu'ils n'ont pas changé. Le groupe est toujours le même, donc on peut garder une certaine dynamique, mais attention à ne pas avoir de blessés, attention à ne pas avoir trop de fatigue dans les jambes. Et Jürgen Klopp, le connaissant, il va sûrement faire des turnovers. On aurait entendu comme quoi Wijnaldum serait en partance pour le FC Barcelone. Jürgen Klopp ne veut pas forcément voir cela. Et puis derrière Liverpool, il y a également Manchester City qui n'a pas toujours dit son dernier mot, qui a terminé la saison tout dernièrement avec une telle frustration, l'élimination en Ligue européenne des champions par l'Olympique lyonnais. Il y a également la formation de Manchester United qui a terminé troisième la saison dernière avec Bruno Fernandes qui a apporté une certaine plus-value à ce groupe. Et puis, il faut quand même noter d'autres clubs comme Fulham qui peuvent peut-être faire la différence. De toutes les façons, c'est une Première Ligue qui, encore une fois, même si ça va se disputer longtemps à huis clos, peut encore apporter de bonnes sensations. Pour terminer, au niveau de cette Première Ligue-là, on sait très bien qu'il y a quelques mois, la FIFA et l'IFAB, le board qui s'occupe des lois de jeu, ont décidé à ce qu'on fasse 5 changements. Mais la Première Ligue, avec les clubs, ils se sont assis, ils ont eu une réunion, ils ont dit pas de 5 changements au niveau de la Première Ligue, mais 3, histoire d'avoir une équité sportive. En tout cas, les Anglais, on sait par rapport à leur tradition qu'ils ne rentrent pas facilement dans les nouveautés. C'est un pays conservateur. Vous allez remarquer depuis, ils ont eu du mal à rentrer dans l'euro. Ils avaient une confiance en leur monnaie. Ils l'ont toujours. Et voilà, c'est la livre sterling. Donc, ils ne rentrent pas dans les choses n'importe comment. Ils préfèrent garder ce qu'ils font d'habitude. Alors, avant de quitter l'Angleterre, N'Golo Kanté qui intéresse l'Inter Milan, qui a offert une grosse somme d'argent, mais là, les Blues ont dit tout simplement non. Oui, moi je pense que N'Golo Kanté
connu que trois clubs. Hein. Mmh. On a l'impression qu'il est sur la planète football depuis déjà deux voire trois décennies. Mmh. Et pourtant, il a connu un club en France. Après, il a connu Leicester avec lequel il a été champion d'Angleterre. Et puis Chelsea également champion d'Angleterre avec, en 2017. Bon, je pense que lorsqu'un joueur veut partir, ça dépend de plusieurs paramètres. Mmh. Mais je ne le vois pas. Il ne l'a pas dit puisque N'Golo Kanté n'a pas du tout, ne s'est pas du tout exprimé par rapport à un possible départ. Frank Lampard a confiance en lui. En lui. Il compte sur lui. Hein. Il compte sur lui. L'Inter Milan qui propose entre 60 voire 80 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international français. Mais je pense qu'il va être bien bichonné du côté de Chelsea. On va bien le blinder, bien verrouiller cela parce que N'Golo Kanté, ce n'est pas un joueur qui court les rues. Je le vois encore à Chelsea, pourquoi pas pour plusieurs années. En tout cas, il émarge, on va dire, à près de 20 millions d'euros par an. On ne le dirait pas. Hein. Il est effacé, sobre, humble. Très, très sobre. Et on va parler vitesse maintenant avec la Formule 1 et une première française depuis 26 ans, ou bien depuis 24 ans, on va dire. Et c'est Pierre Gasly qui gagne la dernière fois à Mugello. Oui. Ce n'était plus arrivé. Il y a longtemps. Mais moi, je pense que la dernière fois, ça a créé une euphorie totale dans la ville ou la région dans laquelle Pierre Gasly est né. On a vu des jeunes qui se sont rapidement retrouvés au centre de formation où il a été gamin dès le petit âge. Quand vous rentrez dans la famille de Gasly, ce sont des personnes qui aiment tous le karting depuis tout petit. Et donc, ça a été transmis de génération en génération. Et la dernière fois, lui-même, il a dit qu'il ne s'attendait pas à remporter le Grand Prix de Monza où les Ferrari étaient beaucoup plus attendus, puisque c'est la terre des Ferrari. Et donc, la dernière fois, pour moi, il a réalisé un exploit extraordinaire, même si ça arrive une fois en passant, quand on voit devant, Williams avec Hamilton, Verstappen et les autres qui sont beaucoup plus expérimentés que Pierre Gasly. Mais c'est bien, c'est une victoire fondatrice qui peut l'aider à gagner beaucoup plus sur le mental et pourquoi pas intéresser d'autres écuries aussi. Pour moi, il a fait quelque chose de magnifique et quand vous le voyez la dernière fois, il était très ému. Il avait du mal à trouver les mots. En tout cas, ce n'était pas facile pour lui. Il a connu des moments difficiles. Il a été retrogradé par Red Bull à Toro Rosso et puis derrière, il a connu des moments difficiles. Oui. Et voilà, c'est un peu peut-être une revanche pour le pilote français. Un autre pilote, c'est Sébastien Vettel qui va quitter Ferrari de l'année prochaine pour Aston Martin, qui se nommait Racing Point. Oui. Ce sera le nouveau nom de Racing Point, Aston Martin. On sait très bien qu'en Formule 1, non seulement il y a la course en tête au niveau des pilotes, qui va être champion du monde, telle saison ou telle saison, mais il y a également une grosse bataille au niveau des écuries et au niveau des constructeurs. Et donc, depuis pratiquement 5 voire 6 ans, c'est les Williams qui sont souvent, les Mercedes qui sont souvent devant. Ferrari a du mal à pouvoir suivre le rythme. Sébastien Vettel, moi je pense que s'il part de cette écurie, c'est une bonne décision. Au même moment, ça va permettre à Ferrari d'aller retrouver ou bien d'aller trouver d'autres pilotes capables aussi de donner une autre renommée à cette Scuderia. Pour appuyer Leclerc. Charles Leclerc, qui est en train également d'arriver petit à petit dans la roue de Lewis Hamilton. Oui, de toutes les façons, dans tous les sports, il y a souvent ce mouvement des pilotes, entre-temps, histoire toujours d'aller chercher les podiums, et puis non seulement les podiums, mais également la renommée au niveau des constructeurs et puis au niveau du champion du monde. Vettel, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément grand chose à prouver, même s'il est très très loin du palmarès de Lewis Hamilton. Quatre fois champion du monde, mais de toutes les façons, je pense que c'est une transition au niveau des Ferrari qui est en train de s'opérer. On voit quelqu'un déjà sur le marché. On sait que l'Australien de Renault, j'allais dire, le nom m'échappe un peu, va quitter Renault pour laisser la place à l'Espagnol qui revient, Alfonso. Mais qui peut remplacer Vettel? Vous voyez quelqu'un? La question elle est vraiment je dirais pertinente parce que là il n'y a pas de favori qui se dégage, hein. Il n'y a pas de nom qui circule vraiment pour arriver à la tête de cette Scuderia qui a eu aussi beaucoup de problèmes de moteur. C'est un élément assez parlant au niveau de cette Scuderia. Bon, je me dis que dans les jours, dans les heures, dans les semaines à venir, on verra quelqu'un peut-être arriver à la tête de cette Scuderia, histoire d'apporter une certaine orientation nouvelle.
parce que quand on voit devant, Mercedes est seul au monde, ouais. Et derrière, il y a pratiquement rien. Cette écurie, ouais, écrase tout sous tout le cas, passage. En voilà. Tout cas, et on parle MotoGP avec Quartararo qui revient. Il a connu, on va dire, les deux dernières courses, ça a été très compliqué pour lui. C'est lui qui est en tête du classement, oui. Et il va falloir prouver quelque chose ce week-end. Je pense qu'il a la pression, même si il reconnaît quelque part que derrière ça se bouscule. Je pense qu'il n'y a que 3 points entre, ouais, lui et puis Dovizioso et tous les autres qui sont derrière. Aujourd'hui, Quartararo, après les 2 prix gagnés au niveau de Jerez et puis de l'Andalousie, les grands prix qui ont suivi, on ne l'a pas vraiment ressenti. À part sur le paddock, il y a eu quand même des difficultés au niveau des freins, au niveau des roues, au niveau de la piste. Bon, je pense que sur ce prix en Italie, il peut pourquoi pas aussi revenir. Mais j'estime que les autres, que sont Zarco, que sont Binder, Dovizioso, n'ont pas du tout envie de le lâcher. Quand on voit au classement, c'est très très serré. Heureusement, on peut dire que la voie est un peu libre pour tous ces pilotes, parce que Marc Marquez est blessé et forfait pour toute cette saison. Je pense qu'il reste encore 8 courses, hein, en 11 semaines, ouais, à pouvoir disputer. Il peut revenir rapidement, gagner 2 ou 3 Grands Prix et encore prendre de la distance, tout comme également il peut lâcher du lest, et puis les autres, ils sont derrière, peuvent le devancer. En tout cas, on verra tout ça ce week-end, ouais. Et on parle désormais de la petite balle jaune avec l'US Open qui affiche ses finalistes dans le tableau féminin. Il s'agira donc de Victoria Azarenka contre Naomi Osaka, et de l'autre côté, on dira que ce sera entre Dominic Thiem et puis Alexander Zverev. Daniil Medvedev est éliminé. Exactement. Hier. Voilà. Non, mais je pense que pour la finale masculine, Dominic Thiem, à mon humble avis, a de l'avance. Okay. Quand vous prenez les confrontations entre les deux, Thiem mène 7-2. Donc, même Thiem a battu Zverev lors des derniers demi-finales, hein, au niveau de l'Open d'Australie. Et donc, on peut dire sur le plan psychologique, il a une certaine ascendance. Sauf que les deux, en même temps, sont de la jeune génération, la next gen, comme on les surnomme. Mais au même moment, ce sont des amis, sauf qu'ils ne vont pas se faire cadeau. Dominic Thiem a su prendre la mesure de son adversaire en demi-finale. Et là, je pense qu'il a quand même du coffre pour pouvoir supporter Zverev. Par contre, pour Zverev, c'était un peu compliqué. Il a été battu dans les 2 sets. Ouais. Et Avant de revenir. Il a renversé totalement la donne en remportant les 3 derniers sets. Au niveau de la fraîcheur, ça peut jouer. 5-7 pour Zverev, oui. Oh, oui. Et 3-7 seulement, oh, oui, pour Thiem. Quand vous faites 4 heures de temps sur le court par rapport à 2 heures de temps, il y a une grosse différence. Mmh. Et surtout qu'il n'y a pas le public pour vous donner quand même du boost, pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que Thiem par favori. Maintenant, c'est une finale. Thiem peut-être aussi multiplier certaines fautes directes, et ça peut lui être fatal, tout comme Zverev, par exemple, peut être fort mentalement, comme il a fait en gagnant les 3 derniers sets, étant mené 2-7-0. Je me dis que ça est une finale, en tout cas, qui risque d'être très disputée. Au niveau des dames, content pour Naomi Osaka, qui entre-temps s'était bien mêlée, hein, de l'affaire Black Lives Matter. Elle a sorti beaucoup plus de messages allant dans le sens de la sensibilisation et de la bonne communication. N'oublions pas que Osaka, c'est une fan invétérée de Serena Williams. Lorsqu'elle avait 7 ou 8 ans à l'école, elle ne jurait que par elle. Elle disait qu'elle va lui ressembler, elle sera comme Serena Williams. Et quand vous voyez le jeu d'Osaka, c'est typiquement du Serena Williams. Mmh. Face à Azarenka, qui a eu le mérite de mettre fin au rêve du 24e titre du Grand Chelem de Serena Williams, Azarenka, oui, elle peut aussi, hein, je peux dire avec de l'expérience, battre pourquoi pas Naomi Osaka. Mais au même moment, il faut reconnaître qu'Azarenka a connu une période difficile. Hein. Très difficile. Elle a eu à accoucher un enfant. Ouais. Derrière, il y a eu des engagements juridiques pour la garde de son fils, aujourd'hui qui est auprès d'elle au niveau de Flushing Meadows, histoire de lui donner beaucoup plus de réconfort. De toutes les façons, là aussi, c'est une finale assez relevée entre la japonaise et la biélorusse. En tout cas, ça fait l'expérience et la jeunesse, on verra bien ce que ça va donner. On va terminer, Angelo, si vous le voulez bien, avec la NBA.
Ouais, avec les playoffs. Ah oui, les playoffs qui pratiquement sont presque terminés du côté de l'Est. On en connaît les finalistes. Il y a Miami de Jimmy Butler qui est bien en finale face aux Celtics Boston. Les deux équipes ont un collectif assez intéressant. Boston, quand vous prenez Boston, c'est Jalen Brown, c'est Jason Tatum, c'est Marcus Smart qui sont des joueurs qui peuvent vous combiner à trois seuls 80 à 100 points par match. Mais là, il faut jouer à 7 matchs. La première équipe en finale qui arrive à gagner 4 et donc passe pour la grande finale NBA à l'Ouest. Ce serait beaucoup plus, facile hein, pour les Lakers qui sont en train de mener 3-1 face aux Rockets de Houston d'un certain James Harden. Vous prenez les Lakers avec LeBron James et puis Anthony Davis. Ils sont au-dessus du lot. LeBron James qui est en lice pour le titre de MVP de la saison. Ouais. Il est pour moi en pleine forme, même s'il y a en concurrence James Harden et puis Giannis Antetokounmpo qui a été éliminé. L'autre demi-finale qui se joue actuellement, c'est entre les Clippers et Denver. Dans la nuit de ce vendredi, c'est Denver qui est revenu à 2-3. Donc il y a un match 6 qui attend les Clippers de Kawhi Leonard et les Nuggets d'un certain Luka Jovic. Angelo Folico, on a fait le tour. Totalement, Franck Lunyama. Excellent week-end. Merci, à bientôt. À très bientôt. Merci de nous faire confiance. On est ensemble jusqu'à midi, vous le savez. On salue l'arrivée de David Dernad. Bonjour, tout va bien? Bonjour Franck, bonjour à tous les amis auditeurs de Sport FM. Très bien, on prend la direction du Septentrion avant de faire un retour à Lomé. Guélaire Inoussa, bonjour. Franck? Oui, bonjour. Oui, bonjour Franck Nounama. Bonjour Nounama Franck. Et les élections préfectorales dans les districts de foot, c'est effectif depuis ce matin là-bas? Non, c'est effectif. Les choses sont allées très vite. Le chef de la mission, El Hadj Amma Marcelin, shérif, le premier vice-président de la Fédération Togolaise de football, accompagné de la grande média civile, le deuxième vice-président, l'un des membres de la commission des réformes, Hervé Agodan, et c'est allé très vite pour se connaître. Alpha Gani est passé comme du couteau dans du beurre. 6 voix obtenues, 26 pour Saban Apollo, c'est terminé. Pour se connaître, maintenant, ça sera le tour de Tchamba. Pour les 4 autres, ça va aller, comme on dira chez nous, un pays, Kabiya Sayouerowa, là où tout le monde avait retenu son souffle. C'était l'étape de se connaître. Et directement, on a commencé par se connaître. Tout était bien parti. Et il y avait 2 bulletins, un bulletin blanc pour Tchabana Polo, un bulletin rouge pour Alpha Gani. Et c'est la sortie du district de Sokoré. Alpha Gani ovationné de l'autre côté. Pas ses sympathisants. C'était dur. Ça a été une nuit électorale. Il était vraiment partant. Ce matin, il m'a confié. Ça va chauffer, mais je passerai. 10 voix contre 6 pour Tchabana. 10 voix contre 6 pour Alpha Gani. Et c'est fait. Le nouveau locataire du district de Tchaoudo s'appelle Alpha Gani Sanobia. Et c'est comme ça qu'il a maintenu le cap. Il a soutenu tout le monde. Il a dit, un chef de quartier qui a voté pour lui, il a dit, je n'ai pas confiance à mes protégés. Et moi-même, je serai là. Le chef du quartier de Kosobio est arrivé. Et finalement, il s'en sort avec 10 voix contre 6. C'est ça aussi le football. Il faudrait quand même le reconnaître. Nous, Niamh Franck, on va peut-être revenir autour de 10h pour la suite. Mais pour les autres, comme je l'ai déjà dit chez nous à Pays Kabien, ça s'appelle Iwolowa. Pour les 4 autres districts, on le rappelle. Tchamba, Sotebois, Blita. Et moi, ils ont parcouru pratiquement 162 km pour y être ici, pour de se connaître. C'est terminé. Effectivement, vers 10h30, Alpha Gani, le nouveau patron du district de Tchaoudio. À vous, nous, Niamh Franck, à tout à l'heure. À très bientôt. On retient le nom Alpha Gani, le nouveau, on va dire, patron, comme il l'a dit, du district de Tchaoudio. Voilà, dans le cadre des élections préfectorales. Dans les districts du foot. Une première intervention de Guélaire Inoussa qui va revenir autour de 10h15 pour d'autres actualités dans le nord du pays. Ico Rodrigue, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Tout va bien? Bien. Très bien. On vous l'a annoncé, on reçoit David Reynard ce matin pour parler d'une nouveauté, on peut le dire. Et Duc France Foot Togo, c'est ça, non? C'est bien ça. Le nom est assez explicite. Éduqué par le sport. Je m'en explique. Nous sommes une ONG hein, qui travaille à favoriser la réussite éducative et l'insertion professionnelle des jeunes footballeurs togolais. Nous sommes partis d'un constat et d'un contexte. Il faut savoir que le football togolais est un
football qui, en tout cas dans nos championnats d'élite, un statut amateur. Donc beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Beaucoup de jeunes s'adonnent au foot exclusivement, malheureusement, pour très peu de retours. Donc nous, au travers de la Libye du foot, nous avons voulu regrouper les jeunes, les accompagner et surtout les former, les éduquer et en faire des leaders de demain. Nous avons donc commencé à Nikonakoua, mais finalement, le projet a dépassé le cadre de Nikonakoua. Nous accueillons des jeunes de tous les quartiers pour pouvoir vivre cette aventure collective. Moi, je me définis comme un serviteur de la jeunesse togolaise et l'objectif vraiment de ce projet, c'est de montrer que le sport est un vecteur éducationnel, mais est également un vecteur d'excellence. Donc c'est pour ça qu'après une année donc, où nous avons créé l'association, conformément à nos statuts, nous organisons une assemblée générale pour valider un plan d'action qui nous permette de préparer sereinement l'avenir. Alors, l'assemblée générale a lieu quand déjà ? A lieu aujourd'hui à 15h à Foliana Guesos, à côté de l'ex-hôtel Aholique, Air France. Nous accueillons un peu une trentaine d'invités en raison de la crise sanitaire et pour respecter un peu les protocoles. Il s'agit donc de présenter donc ce qui est le bilan financier, ce qui a été fait, de surtout nous projeter dans l'avenir et montrer vraiment comment nous traçons la route pour atteindre nos objectifs. Vous avez parlé d'aide à la jeunesse togolaise, vous travaillez avec tous les jeunes, si je peux employer ce terme, comment est-ce que ces jeunes viennent à vous ? Vous allez les chercher ou bien ça se fait comment avec cette ONG ? Concrètement, comment ça s'est passé ? Au début, nous avons un peu localisé le club à Nikonakoua parce que c'est mon quartier d'enfance, j'y ai passé mes premières années de ma vie et donc j'y suis très attaché. Donc, nous avons commencé à nous appuyer sur un noyau d'une équipe en fait, qui préexistait, on va dire ça difficilement, avec un ou deux ballons. Et puis nous avons commencé à accueillir les jeunes. Donc il a fallu structurer l'association. Donc aujourd'hui, on peut s'enorgueillir. On a à peu près 5 catégories d'âge, U13, U15, U17, U19 et l'équipe première qu'on veut engager en championnat de régional, une ou deux en fonction de... ce que fera le futur président de la Ligue de football de Lomé. Et donc, nous avons été étonnés, on a commencé à accueillir des joueurs parce que nous avons une page Facebook, on a commencé à faire un peu de communication qui venait de Baguida, d'Agouet. L'essentiel, c'est que nous accueillons ces joueurs, nous puissions les rencontrer, leur présenter le projet et surtout parler de concret. En fait, moi, concrètement, quel est l'intérêt ? C'est que un jeune va venir chez nous, il veut faire carrière, il a peut-être passé 3, 4, 5 ans, mais au bout de la cinquième année, à un moment donné, il prend de l'âge, il va peut-être devoir trouver une formation, avoir un diplôme. Donc nous les accompagnons, nous établissons une relation avec les parents, les établissements scolaires pour pouvoir avoir gain de cause. Par ailleurs, nous avons aussi un partenariat avec l'Université de Bretagne-Sud et un club de régional 1 en 6e division en France pour pouvoir peut-être accueillir nos jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études en France. Nous travaillons aussi sur des bourses d'études aux États-Unis à travers nous faisons des vidéos de nos joueurs avec leur parcours. Et on va dire sur le plan sportif, nous signons donc le 16 septembre une convention de partenariat avec Asoza de Lomé afin de permettre que nos meilleurs jeunes puissent s'aguerrir au sein du club. Est-ce que Éduc Foot France Togo a déjà fait partir quelqu'un ou pas encore, c'est la première année. Mm-hmm. Bon, faire partir, oui, mais c'est pas forcément notre finalité. Nous avons travaillé par exemple cette année sur le dossier d'un jeune qui doit aller en Bretagne. C'est son dossier qui n'a pas été accepté ici, donc on n'est même pas allé à l'étape du visa. Maintenant, moi ce que je veux, c'est que dans 10 ans, quand on se retourne, on est des diplômés, on est des gens qui ont un métier, qui puissent s'insérer dans la société, parce que la société est de plus en plus dure et sélective. Et donc à travers Éduc Foot France Togo, nous montrons que le foot, ce n'est pas que du loisir, c'est aussi un alibi pour nous, pour accompagner justement le développement de notre très cher pays, le Togo, au travers de ces jeunes. Tant mieux si on trouve demain
le prochain Lionel Messi dans, dans notre équipe, nous l'accompagnerons. Nous avons créé une structure qui accompagne aussi nos projets qui s'appelle Educ Foot Management pour justement travailler sur tout ce qui a tous les profils plutôt intéressants en matière de sportifs. Et grosso modo, nous espérons que dans les années à venir, nous aurons un équilibre entre le projet d'insertion professionnelle et le projet sportif. Globalement, lorsqu'on vous demande de jeter un regard sur le football togolais aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous dit ? C'est rassurant ? Qu'est-ce que vous avez en tête ? Bon, moi, je suis un observateur avisé du foot depuis 1995. Je pense qu'on est à la croisée des chemins, que tout est à refaire. Et d'ailleurs, mon engagement auprès de Duc Foot France Togo, c'est aussi devenir un acteur vraiment de la structuration en fait, des clubs à la base. Moi, je suis avec attention à ce qui se passe dernièrement avec les élections au district, où j'essaie de discuter un peu avec les candidats, parce que moi, je pense qu'il faut qu'on ait aujourd'hui un football un peu plus structuré. J'ai appris avec beaucoup de satisfaction la nomination d'un DTN, mais au-delà de son nom, je pense qu'il va falloir tracer la route. C'est-à-dire que moi, je souhaiterais qu'au Togo, dans 2-3 ans, on puisse avoir des championnats U13, U15, U17. Moi, j'ai théorisé une période de septembre à avril, comme ça on laisse les deux derniers mois pour les révisions. Il faudrait aujourd'hui qu'on puisse aussi, à un moment donné, professionnaliser notre football. Il est temps. Le mot amateur brandi par certains de nos dirigeants, je trouve que c'est une aberration au XXIe siècle. Je m'en excuse, mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment franchir cette étape, parce qu'aujourd'hui, avoir un sport financé exclusivement par l'État, ça date de l'époque communiste. Et on a quand même, depuis la chute du Merlin, passé cette étape. Il faudrait aujourd'hui que nos clubs se structurent. Il y a l'exemple du Bénin. On parle aujourd'hui de la création de sociétés sportives. Moi, je m'interroge aussi sur le statut du footballeur togolais, dont on dit qu'il est amateur, mais qui s'entraîne deux fois par jour, qui consacre exclusivement sa vie au football. Mais je pense qu'on a un devoir aujourd'hui, et on voit même par rapport le SMIC, si je me trompe, il est à 37 000 ou 40 000 au Togo, les footballeurs qui jouent en première division gagnent 100 000, 50 000. Donc pourquoi aujourd'hui, ils n'auraient pas aussi des conditions qui leur permettent de voir ces rendements et d'exercer leur profession. Donc moi, je pense que la priorité, on a pendant des années mis tous nos efforts sur l'équipe nationale senior. Je pense qu'il est temps de, à un moment donné, travailler sur la formation, travailler sur les infrastructures et professionnaliser notre football. Tout ça demande des moyens. Comment faut-il justement chercher ces moyens-là ? Le marketing, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Non, il y a sans doute beaucoup de travail. Moi qui suis communicant, je pense qu'il y a sans doute une marge de progression sur travailler sur une marque FTF. On peut créer une économie endogène, hein, parce qu'on parlait des gens qui doivent aller au stade et qui vont payer des tickets, quel que soit le tarif. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et il faut aujourd'hui, justement, la dernière fois, quand M. Akovi a été élu, il y a eu un plan stratégique plutôt ambitieux. Maintenant, il faut le décliner. Il faut vraiment accompagner, parce qu'on ne peut pas attendre de façon exclusive l'argent de la FIFA. Ce n'est pas, pour moi, la panacée. Le Togo doit créer sa propre économie sportive. Très bien. L'AG Éduque Foot France Togo, c'est cet après-midi. Vous avez l'information. Alors, un mot pour conclure. Oh, moi, je suis très honoré d'être parmi vous. Je suis un téléauditeur plutôt assidu de l'émission, parce que ça me permet donc d'être au contact, devenant moi-même un acteur du football modestement au travers d'Éduque Foot France Togo. J'essaie de comprendre l'environnement, mais au travers des émissions que vous organisez régulièrement. Je sais que c'est toujours pas facile dans notre environnement au Togo. Je vous encourage et je pense que vous apportez vraiment votre contribution de manière manifeste à l'évolution de notre football. En tout cas, merci d'être venu, David Reynard, qui n'est autre que l'enfant, le fils à David Hippolyte Kossivirenat, que vous connaissez parfaitement. Et merci d'être venu. Et Éduque Foot France Togo sera vraiment dans l'actualité cet après-midi. À très très bientôt. Excellent week-end.
Voilà, merci. Nous sommes sur Sport FM, la référence sportive. Et comme tous les samedis, c'est Samedi Sport qui est à l'honneur entre 9h et 12h. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler que c'est la World Fencing Day. On parle de l'escrime, mais au Togo, la communauté nationale d'escrime commémore l'événement en famille pour cause de Covid. Il est demandé à chaque escrimeur d'enseigner les mouvements de base de l'escrime à ses parents. Voilà, en famille, merci Victor Lamega, bonjour d'ailleurs, qui est le président de la Fédération Togolaise d'Escrime, qui nous a passé l'information. On a également parlé de triathlon avec le franco-togolais qui se nomme Eloi Adjavon. Il était en compétition le 6 septembre dernier et la compétition déroulée dans les normes, dans les distances olympiques, 1500 mètres natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Ça, c'est le triathlon. Et là, Eloi Adjavon a terminé 17e sur 423 participants avec un temps de 2 heures 9 minutes. Il semble que le franco-togolais s'apprête pour les JO 2024 en France et là pour défendre les couleurs du Togo. Retenez bien le nom, Eloi Adjavon. Voilà. Merci encore une fois, Victor Lamega, bonjour, qui nous passe l'information. Et là, on reçoit Tchanyao Sadek, c'est ça? Oui. Approchez-vous du micro. Tout va bien? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez la liste Stabilité, c'est ça? C'est ça. Alors, Gouenivé, c'est une très grande commune. Vous êtes la seule et unique liste, pas de concurrence devant. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est déjà, la route est déjà tracée, tout est fait, c'est bon? Bonjour. Bonjour, oui. Nous sommes effectivement la seule liste qui se présente aux élections. Mais dire que la route est déjà tracée, je pense que c'est déjà facile. Mmh. Il y a beaucoup de choses à faire. Mmh. Si on a la chance, je pense qu'à 80, on peut dire à 99% qu'on sera élu. Mmh. Mais on ne sait pas, il faut quand même mettre les parenthèses. Si tout est fait dans les normes et qu'on passe le mardi 15, mmh, je pense qu'on a un programme établi et que on a beaucoup de choses que nous avons préparées. De quoi avez-vous peur, finalement, si c'est la seule liste? Non, bon, ce n'est pas que nous avons peur de quelque chose, mais il faut quand même avancer avec beaucoup de sécurité. Il faut quand même avancer avec beaucoup de sécurité et puis faire les choses comme il le faut. Voilà. La liste Stabilité, que voulez-vous dire à travers le mot stabilité, par exemple, ou bien le nom stabilité que vous donnez à votre liste? Enfin, le nom stabilité, parce que quand nous sommes présentés, on ne vient pas pour changer ce qu'il y a déjà. On vient juste aller dans le même sens que ce qu'il y avait, améliorer effectivement les choses qui n'ont pas été bien faites et apporter notre petit plus. Donc, nous basons sur ce qui avait déjà été fait par les anciens bureaux. Donc, nous allons prendre ce qui a été bien fait et ce qui a été moins bien fait, on va juste améliorer et puis essayer de faire plus que ce qui a été déjà fait. Dans la commune d'Agoué, les gens aiment forcément le football. Oui. Il y a beaucoup de manifestations sportives. Malheureusement, ces derniers temps, il n'y en a pas eu. La stabilité portée par Sodiné Aziamalé. Alors, quelles sont vos priorités? Alors, notre projet s'articule autour de 6 points. Voilà. Donc, on aura organisé un championnat de district et on aura organisé une coupe de district. Et effectivement, on va continuer par travailler et organiser la coupe de la préfecture d'Agoué qui a été déjà faite par le passé. Voilà. Maintenant, notre point est le plus important sera d'organiser un championnat des catégories inférieures. Donc ça, c'est le principal objectif que nous voulons atteindre, faire que les jeunes puissent participer à beaucoup de compétitions et pouvoir faire travailler et jouer, faire jouer les jeunes de bas âge, les U13, les U15 et les U17. Ça nous porte vraiment à cœur, c'est très important pour notre projet. Et également, à côté de ça, on n'a pas oublié les féminines. Il faut quand même organiser un championnat. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'équipes féminines dans
la zone d'Agouet. Donc, s'il faut organiser un championnat ou des compétitions en collaboration avec les autres districts, donc nous sommes en train d'étudier toutes ces possibilités et je pense que c'est ce que nous devons faire. Tania Oussadek, oui. De la liste stabilité, qu'est-ce que vous voulez dire à vos électeurs? Donc, on va dire à nos électeurs de nous faire confiance, voilà, et de voter pour nous. Déjà, la particularité qu'il y a sur notre liste, c'est que tout le corps électoral y est présenté. Mm-hmm. Donc, nous constituons 7 clubs. Donc, les 7 clubs sont présentés dans la liste. Donc, on a essayé de, vu qu'on constitue une liste électorale de 7 clubs, on a jugé bon de réunir tous ces 7 clubs autour d'un même projet pour que Agouet présente un projet fiable, un projet en collaboration avec tous les 7 clubs qui vont voter. Cela peut donner de la force à notre projet. Tania Oussadek, merci et bon courage, bonne chance. Merci beaucoup. Très bien. Nous avons en studio le sélectionneur des éperviers à prime, Abalo Dossé, accompagné d'Augustin Améga, le patron de la communication autour des éperviers fanions. On revient, Anas. On va ouvrir une parenthèse et puis la fermer après. C'est juste pour parler un peu du foot béninois qui semble donner un nouvel élan à ce sport-là. Nous avons justement pour l'occasion le confrère togolais qui vit là-bas au Bénin, Robert Coupin Edor. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux fidèles auditeurs de la 91.9. Très heureux d'être en samedi sport. Heureux également de vous avoir à côté de nous. Alors, on vit ces derniers temps, on peut le dire, une métamorphose dans le foot béninois avec des décisions prises par le gouvernement et le président de la fédération, Mathurin, le ministre Omeki, le président Talon. Il semble que tout ce monde décide finalement de donner un nouveau souffle à ce football. C'est vrai ? C'est vrai, c'est dans la dynamique du PAG, entendu par le programme d'action du gouvernement de Patrice Talon, le volet sport, bien évidemment, qui constitue à révéler le Bénin par le sport. Donc, le gouvernement de Patrice Talon veut booster le sport béninois. Donc, c'est pour cela qu'il met un accent particulier sur ça, à travers la formation des formateurs et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous parlez du ministre Oswald Omeki en temps. Donc, c'est un sportif. Il a su constituer toute une chaîne pour pouvoir mettre le sport béninois sur le toit du monde. En tout cas, aujourd'hui, on le constate, c'est un projet gigantesque, on peut le dire, avec la construction de stades dans 22 communes, 20, c'est ça 20, 22 stades. Oui. Donc, à savoir, dans les 77 communes, chaque stade dans les 77 communes. Oui. Donc, ce qui fait 22 stades dans les communes. Donc, le programme a démarré. Normalement, il devrait livrer des stades à date, au 1er août récemment, parce que le 1er août, c'est la fête de l'indépendance du pays. Du Bénin. Voilà, la Covid a pris par là. Mais le chantier se poursuit. Et donc, ils veulent construire des stades dans les différentes communes du Bénin pour essayer de propager, de faire la promotion du football dans toutes les communes. Donc, c'est ça, la construction de ces stades. C'est une étape très primordiale dans le programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Donc, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est sur le terrain, c'est une réalité. On fait le constat chaque jour et chaque fois que les chantiers évoluent, il y a le ministre des Sports, Oswald Omeki, qui intervient pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pour essayer de suivre à la limite l'évolution des chantiers. La prestation des écuries la dernière fois à la CAN a été pour beaucoup dans ses prises de décision drastiques dans le bon sens, vraiment. Drastiques dans le bon sens, je dirais oui, parce que j'étais au Bénin en mars 2019 pour suivre cette rencontre. Donc je disais, bon, est-ce que c'est vrai que le Bénin pourrait éliminer le Togo comme ça? On était au stade. Et voilà, moi je vais dire, c'est une continuité parce qu'aujourd'hui, ils ont un Michel Dussuyer qui a su constituer une équipe. Michael Poté le disait tantôt. Donc, ils ont une équipe maintenant. Ce n'est pas uniquement des stars, mais chacun doit être capable de venir dépanner à n'importe quel poste. Donc, Michel Dussuyer a su constituer une équipe qui a permis véritablement au Bénin de titiller les grands, de titiller les cadors, de titiller les favoris. On a vu la prestation des écureuils à la CAN. Donc, ce n'est pas pour rien, c'est une effectivité.
pour en parler. L'ambition pour le gouvernement béninois, c'est de voir le Bénin peut-être à la Coupe du Monde dans les années à venir, gagner la CAN, pourquoi pas, c'est ce qu'ils se disent. Le ministre des Sports y croit fort. Il dit nous irons à la Coupe du Monde, idem pour le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacuis. Donc ils font tout pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Ils sont quart de finaliste maintenant, donc la Coupe du Monde, c'est le rêve maintenant des Béninois. Et à côté du foot, est-ce que les autres sports aussi sont pris en compte? Bien sûr. Récemment, le ministre des Sports veut changer des choses, veut transformer les clubs en sociétés sportives. Donc là, ça va impacter tous les domaines, à savoir toutes les disciplines, à savoir le basket, le hand et autres. Donc, ce ne sera plus des clubs qui seront dirigés par uniquement des individus, mais ça serait des modèles sportifs, à savoir trois types de modèles sportifs, à savoir une entreprise sportive à responsabilité limitée, une société anonyme à objectif sportif et une société anonyme sportive professionnelle. Donc le tout, c'est dans le but de booster le sport béninois en général. Et vous êtes dans le domaine du sport au Bénin. Que représente le sport dans son ensemble pour un Béninois, pour les Béninois? Qu'est-ce qu'ils disent? Le sport, c'est quoi? Ça représente quoi pour eux? Je vais dire que le Béninois est fan du sport. Mais on sait qu'à travers les années précédentes, ce n'était pas ça, parce qu'il y avait eu un peu de corruption et autres. Maintenant, je vais dire que c'est ce nouveau président, le président Talon, qui a se réconcilier la famille sportive. Donc, on a constaté des changements dans ce sport. Là, maintenant, je vais dire que les Béninois sont maintenant plus aguerri, je vais dire, à aller au stade maintenant, suivre des matchs de basket. Le Cotonou a abrité la Folle Ligue de basket. Maintenant, si tu vois le monde, c'est là que tu te rendras compte effectivement de l'engouement qu'il y a actuellement au Bénin. On est loin donc des crises qui minaient le sport béninois. On est loin de tout ça. Un mot pour terminer, Robert Edor. Un mot pour terminer, déjà c'est de souhaiter une bonne chance au coach Abalodossé pour la prochaine échéance du CHAN. J'ai suivi sa prestation lors du tournoi de l'UFOA, parce que l'ORTBA a les droits de diffusion, donc j'étais sur le plateau reporter pour les matchs du Togo. Tout ça là, donc c'est une fierté pour moi également de voir mes compatriotes hisser bien le drapeau sur le toit. Je vis actuellement au Bénin, je n'oublie pas mon pays d'origine qui est le Togo. Alors on me taquine toujours là-bas, le plus togolais des Béninois. Donc je vais souhaiter bonne chance au coach pour que les éperviers après puissent faire une belle prestation lors du CHAN prochain. Oui, bon courage aussi Robert Copain Edor, qui vit du côté du Bénin, qui est dans le journalisme sportif. Merci d'être venu et on reste en contact, on est ensemble. C'est un plaisir pour moi. Jean-Paul Dossé Abalo, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Vous êtes le sélectionneur principal des épreuviers A'. On va parler dans un instant. Augustin Améga, merci d'être en studio. C'est un plaisir, Franck. Bonjour aux confrères autour du plateau et bonjour aux amis auditeurs. Très bien. Jean-Paul Dossé Abalo, une nouvelle date pour le CHAN. Vous êtes désormais fixé. Depuis des mois, on se demandait si le CHAN va pouvoir tenir. Cette fois-ci, il semble que c'est vrai et que ça va se faire entre le 16 janvier et le 7 février de l'année prochaine. Oui, mais tout le monde est au courant maintenant de la date. Donc, ce qu'on attend maintenant, c'est d'avoir la possibilité de démarrer les stages. Donc, on espère que d'ici la fin de la semaine prochaine, on aura une autorisation pour pouvoir démarrer. Vous avez déjà quelque chose sous la main, un programme, matchs à jouer? Non, on a des programmes. Les matchs, c'est compliqué puisque beaucoup de pays n'ont pas encore repris le championnat ni la compétition. Donc, sinon, pour le programme de préparation, oui, on a tout pour finir. Vous avez un programme et tout va se faire ici à Lomé? Oui, dans un premier temps, oui, puisque ça fait un bon moment que les joueurs n'ont pas joué. Donc, il faut d'abord commencer par Lomé et au fur et à mesure, on verra la possibilité qu'on aura pour aller ailleurs. Alors, il y a un sérieux problème, je ne sais pas si c'est un problème sur la table. Depuis, les joueurs n'ont pas été peut-être servis. Tout le monde parlait de ces primes de qualification. Il y a du nouveau, peut-être?
Non, c'est toujours pareil, mais bon, moi je ne suis pas inquiet, je sais qu'il y a la compétition qui est au mois de janvier. Donc d'ici là, les joueurs seront réglés, on espère. De toute façon, comme je l'ai dit, le prochain regroupement, je crois que ça va revenir sur la table, mais moi je ne suis pas inquiet, je sais que les joueurs ils resteront dans leur droit, puisque c'est leur droit. Vous les connaissez, est-ce qu'ils vous appellent à propos de ces primes? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les joueurs? Oui. Ah oui, ça fait bon. ça fait plusieurs fois qu'ils m'ont rendu visite pour cela. Hein, donc on n'en parle, mais ne vous inquiétez pas, la compétition n'a pas encore, démarré. Donc de toute façon, c'est, pour moi, c'est indu. Donc quoi qu'il arrive, ils toucheront leur droit. Donc on espère que quand on va reprendre les activités, ils vont rentrer dans leur droit. Mentalement, psychologiquement, vous ne pensez pas que c'est une situation qui peut un peu les décourager? Oui, c'est vrai que vu la situation même actuelle, si me sollicitent souvent, c'est parce qu'ils sont un peu en difficulté financièrement. Mmh. Et ça, c'est sûr. Mais je leur dis toujours de garder confiance et d'espérer. De toute façon, tant que la compétition est d'actualité, tout le monde rentrera dans ses droits. Vous avez eu pratiquement 6 mois sans nouvelles. Normalement, si cette compétition devait tenir, c'était en avril dernier. Alors aujourd'hui, au niveau de la sélection, comment ça se présente? Vous avez des difficultés? Ce sera les mêmes joueurs? Non, les mêmes joueurs, oui. C'est sûr que ceux qui auront participé aux éliminatoires qui seront là, plus certains joueurs que je fais appel, il y aura un groupe élargi. Puisque ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas joué. Donc, il va falloir revoir tout le monde. Donc, pour moi, je suis pressé vraiment de démarrer pour voir ceux qui sont prêts. Parce que depuis qu'on a arrêté, c'est sûr, il y en a qui s'entraînent. Il y en a d'autres qui ne font rien. Donc, je vais essayer de les voir si physiquement ils sont prêts, puisque la compétition n'est pas loin. Donc, il y aura un groupe élargi. Ceux qui étaient là, ils seront là, plus d'autres joueurs qui vont faire leur apparition. En tout cas, ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous sommes avec Jean-Paul Dossé Abalo, le sélectionneur des éperviers à prime, Augusté Améga, patron de la communication des éperviers Fanion, également est en studio. Là également, on a envie de savoir ce qui se passe autour des éperviers. Quelles sont leurs nouvelles aujourd'hui, Augustin, les éperviers? Ils sont là, ils font quoi? On sait que bientôt, on va reprendre les compétitions. Vous voulez parler de l'équipe A? L'équipe A, bien sûr. Oui, pour ce qui concerne les joueurs de l'équipe A, certains ont déjà redémarré la compétition, du moins pour ceux qui sont en France et en Belgique. Donc bientôt, les autres aussi vont commencer. La plupart sont en pré-saison, ils jouent des matchs amicaux avec leur club et on essaye de les suivre lors de ces préparatifs de leur club respectif. Et y compris également certaines pistes qu'on avait depuis. On essaye de suivre le mouvement, puisque vous le savez, la FIFA a bien fait de laisser le mois d'octobre à toutes les sélections pour les matchs amicaux. Étant donné que les sélections ont passé quasiment une année, 11 mois sans jouer, donc il est bien de revoir tout le groupe et de roder le groupe au moins en un ou deux matchs amicaux avant d'aborder les éliminatoires qui vont redémarrer en novembre. En novembre, il reste pratiquement 2 mois. Alors pour les matchs amicaux, il y a déjà des pistes. Le sélectionneur a déjà discuté avec des équipes, des sélections pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui se fait? Disons que ce n'est pas le sélectionneur qui discute pour les matchs amicaux, mais bon, d'abord le staff se réunit, oui. On fait le tour de la question, la période, la disponibilité des joueurs, le lieu du regroupement qui arrangerait mieux par rapport aux problèmes de visa, aux problèmes de climat, le contexte climatique dans lequel va se jouer les rencontres qui vont suivre, et c'est en fonction de ça qu'on arrête le lieu du regroupement. Et pour cette période du mois d'octobre, la préférence a été donnée au Maghreb. On a estimé que c'est plus facile parce que, vous savez, on est en début de saison. On ne veut pas faire de longs voyages aux joueurs qui sont pour la plupart en Europe. Puis les consulats n'ont pas encore redémarré aussi la délivrance des visas. Donc, on ne peut pas aller jouer non plus en Europe parce qu'on a eu plusieurs propositions intéressantes de matchs en Europe. Donc finalement, c'est le Maghreb qui a été retenu. Je peux même vous dire que c'est principalement
la Tunisie, puisque le Maroc n'accepte pas pour le moment d'accueillir les pays étrangers. Mmh. Vous avez vu avec la CAF a été même obligée de repousser le Final 8 de compétition interclub. Donc il restait la Tunisie. Donc c'est sur la Tunisie que le team manager travaille en collaboration avec le secrétariat de la fédération. Ils sont en discussion avec les propositions de match que nous avons reçues. Pour les matchs, le match amical. Pour les deux matchs amicaux d'octobre. Ouais. Très bien. Alors, on sait que, entre parenthèses, on va recevoir Guller. Il est en ligne. Oui, me dit-on. On va le recevoir dans le cadre des élections dans les districts préfectoraux. Allô, Guller Inoussa, bonjour. Bonjour. Allô? Guller Inoussa. Oui, bonjour, rebonjour. Oui, bonjour, Louis Lamafranc. Je crois que la chose se précise par et d'autre. Je crois que ça, c'est la petite où ça se termine. Je crois qu'on ne peut plus faire autrement. Pour le reste, ça se fait par acclamation par ici et par là. Je pense que. Au bout du tunnel. Et maintenant, nous sommes avec le district venu de loin. Voilà, il y a quelqu'un qui dit le district venu de loin. Vous faites pratiquement 105 km. Vous faites 107 km, vous allez à Bassar. Vous faites 105 km, vous allez à Tendiaté. Ils sont venus de très loin. Ils sont venus de très loin, ces districts-là. C'est tout à l'heure par acclamation. Nous sommes avec Hervé Agodan. Hervé, bonjour. Bonjour, Insta. On avait cru la catastrophe, mais finalement, vous avez géré. Ça allait vite comme du couteau dans du beurre, c'est tout. Pour le difficile de secourir, Hervé. Non, il n'y avait pas de feu, parce que c'est en toute transparence que ces élections ont été organisées. Les délégués, les clubs ont la possibilité de s'entendre pour qu'ils aient leur liste ou d'aller individuellement. Donc, à ce moment-là, on a eu appel à deux listes les urnes ont parlé. Les urnes ont parlé, on avait aussi cru qu'il devait y avoir des petits problèmes au niveau de l'amendement des tests, mais là aussi, il n'y a pas eu grand-chose. Et cette fois-ci, pour le reste, par acclamation, ça s'est passé. Et finalement, nous sommes presque vers la fin, on l'appelle communément le sixième continent. Là aussi, c'est par acclamation, Ali Atoï est élu président du district. Oui, mais ce qui a été fait, il y a un processus, les clubs avaient depuis deux semaines les tests. Et ils avaient la possibilité de faire des amendements, de nous les envoyer. Si on les étudie, on les présente à l'Assemblée générale. Bon, heureusement, malheureusement, nous n'avons pas reçu d'amendement. Donc, quand vous n'avez pas reçu d'amendement, on estime que le test est au moins en l'état acceptable par tout le monde. Et ceci est fait bien. Ce n'est pas des tests figés. Les districts auront l'occasion, lors de leur congrès ordinaire, qui se tiendront chaque année, de modifier les tests, d'ajouter, de retrancher. Mais avec toujours l'aval de la Fédération Togolaise de football. On a mis du sérieux dans cette histoire de district, parce que nous avons vu trois membres de la Fédération Togolaise de football. Et il y a Amma Presse Marcelin, qui est le premier vice-président, avant le deuxième. Et puis Presse Sébastien, plus toi, l'administrateur de la Fédération Togolaise de football. La suite du périple, Hervé Abodan. On va mettre le cap sur Karaou. Demain, nous allons quand même procéder au même assemblée générale. Et puis lundi, aller à Dapaon pour faire les mêmes cérémonies. Donc on estime qu'avec ce que nous avons fait à ce forum aujourd'hui, la voie est balisée pour qu'on n'ait pas de problème au niveau de la Ligue de Kara et la Ligue de Salat. C'est un petit au revoir. D'ici le 2, vous seriez encore dans nos mains pour les ligues. Bien sûr, si je ne peux pas te dire. Merci Hervé Abodan. Oui, Guller. Oui. Oui, Franck Nounyama. Allez-y, oui. Oui, je crois que tout est allé vite. Parce que là où tout le monde a dit c'était le district de Sokoré où il fallait voter. Et finalement, comme l'a dit tout à l'heure Hervé Agodan, les urnes ont parlé. Ah, vraiment, j'ai aimé l'impression. Les urnes ont parlé, finalement, c'est Alpha Ghani, Sanobia. Il n'y a plus grand-chose. Pour ce qui reste, c'est le district de Mo, plus précisément de Diarre Panga. Ils sont arrivés à Messerouin. Ils ont fait une grande distance. Ils sont arrivés, et je crois que d'ici une trentaine de minutes, ça sera ce cocktail offert par la Ligue des réformes. Du centre, et je crois que ce n'est plus la peine. Encore, rappelle encore, le travail a été fait. Aujourd'hui, cela a été payant un peu partout. Comme dirait quelqu'un, travaille pour ton nom, et ton nom travaillera pour toi. Fin de citation.
travaille pour ton nom, et ton nom travaillera pour toi. Et c'est fini, pratiquement ici. Le reste n'est que de simples formalités. Peut-être le reste des réactions hors antenne. Bonne émission. Frank Nouyama, au revoir. À très bientôt. Excellent week-end, Guderi Noussa, voilà, qui intervenait sur les élections dans les districts préfectoraux du football. Voilà, vous avez pu écouter l'un des envoyés de la Fédération togolaise de football, Hervé Agbodan. On était avec Augustin Amégan, on parlait donc de la sélection Fanion et les jours à venir. Donc on annonce la Tunisie pour le Togo dans ce match amical permis par la FIFA dans le mois d'octobre. Oui, la Tunisie comme lieu de regroupement. De regroupement, très bien. Alors, autre chose, on sait que dans deux mois pratiquement, ce sera cette double confrontation déterminante pour la suite de la compétition des éliminatoires. Le Togo va jouer deux fois en l'espace de quelques jours, les pharaons d'Égypte. Il faudra réagir. Tout cela est-il analysé? Tout le monde est-il au courant de l'importance de cette double confrontation? Oui, tout à fait. Puisque le calendrier n'a été que reporté, il y a un dispositif qui a été mis en place pour le mois de mars où des gens devaient jouer cette double confrontation contre l'Égypte. Donc le staff a eu une réunion avec le comité exécutif le mardi dernier, et donc c'est le même dispositif qui avait été mis en place qui sera reconduit pour la double confrontation contre l'Égypte. Maintenant, c'est les matchs amicaux d'octobre permettront au staff, notamment aux techniciens du staff, de décider des joueurs qui pourront participer à cette double confrontation. Je pourrais dire que pour l'instant les préparatifs se passent très bien. Le sparring partner du mois d'octobre, c'est les Aigles de Carthage ou bien pour le moment, c'est pas... Non, c'est le lieu qui est déjà défini. Défini, mais... Le team manager et le secrétariat de la fédération sont en contact parce que nous avons eu plusieurs propositions. Oui. Il y a certains pays qui sont déjà en Tunisie, d'autres malheureusement qui souhaitaient qu'on joue en Europe. Ça a été évacué parce qu'on ne veut pas avoir des soucis de visa. Et donc, c'est la Tunisie qui est retenue. On sait qu'en Tunisie, à cette période-là, il y aura la Libye, il y aura la Tunisie elle-même, la Libye, le Soudan, les Comores, Centrafrique. Et donc, on jouera contre deux équipes parmi les équipes qui seront sur place. Ouais. Très bien. Alors, Ico Rodrigue, voilà un peu ce qui attend les éperviers, la sélection Fanion, naturellement, lieu de regroupement. Forcément, la Tunisie, c'est proche de l'Égypte, c'est toujours dans le Maghreb. Et puis après, cette double confrontation qui est très, très attendue. Oui, c'est la double confrontation qui est très attendue. Et quand vous voyez déjà les deux sorties des éperviers, vous faites le calcul. Le Togo est en difficulté d'abord pour cette qualification. Donc, ces deux matchs-là contre l'Égypte, c'est des matchs qu'il faut bien gérer. Et je pense que la fédération en est bien consciente. Et puis, le staff technique également. D'ailleurs, par rapport à ce que Augustin vient de dire, c'est bien vrai que les deux parties, la fédération et le staff technique, sont en train de préparer le match. C'est vrai également que le Covid est passé par là, les joueurs également ne sont pas très en forme. On craint surtout, parce que quand vous voyez un peu la prestation de nos éperviers pour ces deux premières sorties, c'est vrai que c'était en début d'année, en mars, on attendait mieux. Et que cette situation est arrivée, peut-être que le staff va bien préparer ces deux sorties. Pour nous, il ne faut pas rater la CAN passée et rater encore la CAN à venir. Moi, je pense que le staff également doit penser à ça et essayer de faire mieux. Déjà, trouver des matchs amicaux, c'est devenu une habitude pour nous. Nous espérons qu'on puisse profiter de ces matchs amicaux pour pouvoir bien affronter l'équipe d'Égypte. John Atisso, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Certainement que dans un coin de votre tête, cette double confrontation contre l'Égypte vous fait réfléchir depuis. Oui, effectivement, quand on voit la dernière prestation des éperviers, surtout lors du match qui a été joué au niveau du stade de Kédé face aux îles Comores, c'est un peu inquiétant, mais on a vu une certaine amélioration face au Kenya, Nairobi. Mais depuis là, c'est quand même une traversée du désert.
par rapport à la situation sanitaire, c'est là que j'ai un peu plus peur. Parce que avant on avait des regroupements réguliers, mais le contenu et puis les résultats ne suivent pas. Maintenant, avec ce laps de temps qui n'a pas permis aux épreuves de pouvoir véritablement avoir ce regroupement et jouer de façon quotidienne ou de façon régulière, et maintenant revenir à la compétition en jouant deux matchs contre l'Égypte avec... quand on voit cette sélection qui regorge aujourd'hui Mohamed Salah, Mohamed Benani. C'est la même chose pour toutes les sélections. Oui, 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 je ne refuse pas, mais quand on voit les autres sélections, il y a déjà une base. Aujourd'hui, quand on voit l'Égypte qui a connu ce fiasco au niveau de la CAN 2019, qui a rapidement surgi avec la nomination d'un entraîneur local, qui a déjà entamé un travail à ce niveau. Mais en plus de ça, quand on voit la qualité des joueurs que regorge cette sélection égyptienne, moi j'ai un peu plus peur, je crains cette double confrontation. Mais comme on a l'habitude de le dire, il faut être chauvin, il faut être compatriote, il faut miser sur notre équipe nationale qui quand même regorge des talents, à l'instar de Dienda Kona et Las Bebou, qui ont fait une superbe saison, même si cette saison-là a été beaucoup plus élastique par rapport à la saison dernière. Mais il faut dire, il faut avoir quand même cette confiance-là, il faut avoir ce courage de le dire. Mais j'ai peur, comme je viens de le dire, j'ai peur pour notre équipe nationale. Maintenant, il faut véritablement jouer ces deux matchs amicaux hein, en octobre face à une équipe qui a une allure comme l'Égypte, peut-être pourquoi pas la Tunisie, parce que ce sont des équipes qui jouent de la même façon et quand même s'enquérir de tout ça pour véritablement tenir tête à l'Égypte. Mais ça ne va pas être facile pour les éperviers. En tout cas, ça ne va pas être facile, dites-vous. Aristide Quevillien, vous prenez le micro et voilà, tout va bien. Oui, très bien. Et le Togo jouera deux fois en novembre, en novembre contre l'Égypte en quelques jours. Lorsqu'on regarde un peu la situation dans ce groupe, le Togo s'en sort avec un point après deux matchs. Oui, c'est-à-dire, l'objectif, c'est de ne pas perdre les six points et au pire des cas, avoir trois points. Ah oui, naturellement, je pense que la vérité des deux premières journées ne sera pas forcément la vérité de la troisième et de la quatrième journée. J'ai l'impression même que ça va être un début, c'est-à-dire on va tout recommencer, même si, disons, les scores des deux premières journées, évidemment, les points sont déjà acquis, parce que la pandémie de coronavirus a évidemment bouleversé hein, le monde entier, surtout en ce qui concerne les athlètes. Quand vous prenez les sportifs de haut niveau, il faut dire quand même qu'on a commencé déjà par reprendre les choses. Du côté du Togo, j'ai l'impression que c'est finalement les locaux de Jean-Paul Abalo qui n'auront pas beaucoup de chance parce que visiblement, ils ne sont pas en compétition. Par contre, dans la sélection, vous prenez les Jinda Konam, vous prenez le jeune Kevin Dinke, vous prenez les Laba Fodo et autres. Ils auront toujours cette chance parce qu'ils sont en compétition. Mais le plus important pour moi, c'est d'étudier l'adversaire. Je crois que ça a été toujours, la manière forte des sélections. Lorsqu'il y a un match, il faut étudier l'adversaire, il faut regarder les derniers matchs dans les adversaires, il faut étudier les joueurs individuellement, leur bon pied, leur mauvais pied, comment prendre les joueurs sur les marquages. Donc je crois que c'est des éléments en tout cas qui peuvent, en ce moment où les championnats ont repris du côté de l'Europe, aider, n'est-ce pas, la sélection à pouvoir étudier de fond en comble l'adversaire. J'ai souvent l'habitude de dire également que quand vous prenez l'Égypte d'il y a une dizaine d'années, ce n'est pas forcément la même équipe d'Égypte que nous avons aujourd'hui. Celle-là qui a gagné trois fois la Coupe d'Afrique d'affilée. Bien évidemment, triple champion d'Afrique 2006, 2008, 2010. L'Égypte a traversé le désert avant justement de se retrouver à la CAN 2017 au Gabon et a joué cette finale donc face à l'équipe de Fabrice Ondoa, le Cameroun, je voudrais dire. Et évidemment, en 2019, comme l'a si bien dit Jonathan tout à l'heure, ce fiasco qu'on a connu avec l'Égypte. Maintenant, vous avez vu qu'au niveau lors de la dernière Coupe du Monde et même lors de la dernière CAN, on a vu des joueurs qui se sont révélés dans cette équipe. Vous prenez Ayman Ashraf, le défenseur central donc, de cette formation, qui évolue du côté donc, de Al Ahly. Ahmed Fati, qui évolue également du côté de Al Ahly. Mohamed El Shenawi, qui est le gardien titulaire de cette formation, qui a remplacé Essamel Adari, qui évolue également du côté de Al Ahly. Al Ahly qui n'est plus en compétition aujourd'hui. Donc vous voyez que
et ça va un tout petit peu déséquilibrer, n'est-ce pas, disons, cette défense-là. Mais au même moment, vous avez des joueurs qui sont du côté de l'Angleterre. Vous prenez Mohamed Salah, par exemple, qui va bientôt donc reprendre la compétition. Commence aujourd'hui, d'ailleurs. Bien évidemment. Ouais. Et même a déjà joué, disons, cette dernière semaine. Donc, quand on prend tout ça là, je pense évidemment qu'on n'a pas quand même raison, à se plaindre. C'est le football, mais de toutes les façons, le Togo n'a pas droit à l'erreur. Le Togo va donc faire, je pense, le premier déplacement en Égypte, oui, avant de jouer le match retour. Moi, en tant qu'observateur, depuis quelques mois, j'ai commencé par comprendre une chose. Le Togo a beaucoup plus la pression lorsque la nation togolaise joue à domicile. À l'extérieur, bon, pas forcément qu'elle joue bien à 100%, parce qu'il y a la peur au ventre. Vous savez, lorsque vous passez un examen pour une première fois et que vous passez le même examen pour une seconde fois, il y a une certaine pression. On se dit, mais si j'échoue, les gens vont dire, mais finalement, c'est toi qui n'es plus... Enfin, c'est toi qui n'es pas intelligent. Et donc, ça fait que même dans le football, vous prenez des joueurs, lorsqu'ils jouent à l'extérieur, ils se disent, mais si on échoue ici... Vous prenez par exemple le score du Kenya. Le Togo a encaissé avant d'égaliser. Ça veut dire tout simplement que les joueurs avaient une certaine pression, on a peur, on a la peur au ventre. Si on échoue, qu'est-ce que les gens diront à Lomé, etc., etc. Donc, sursaut d'orgueil. Voilà. Bien évidemment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement encourager les joueurs, parce qu'après tout, lorsque le Togo sera éliminé, c'est la nation tout entière. Donc, c'est le plus important pour nous de pouvoir les soutenir, quelles que soient les circonstances, et de se dire que, bon, voilà, si le Togo se qualifie, on aura de la matière. Oui, très rapidement. Oui, Franck, j'ai une autre inquiétude, c'est par rapport à notre secteur défensif. Aujourd'hui, quand on prend Steven Lawson qui est blessé, quand on prend également Oussama Hakim qui n'est plus en compétition, qui n'a plus connu le très haut niveau depuis son départ de BLNSS, quand on prend également Olu Fadedu sur le côté gauche, ce n'est pas encore ça. Quand on prend également notre portier, Malcolm Barcola, qui a été prêté à un club qui n'est pas quand même le portier titulaire. Donc, ça fait beaucoup. Également, Atakorel Alaouele qui a actuellement, c'est un club qui aurait pu rebondir au niveau du Sporting de Lyon, mais cela n'a pas pu être fait. Donc, c'est une petite inquiétude pour moi à ce niveau. Nos joueurs titulaires qui animent le secteur défensif ne sont pas en forme, ne jouent pas de façon régulière. Donc, quand on rencontre une équipe comme l'Égypte qui dispose quand même d'une armada offensive, donc il faut avoir véritablement peur. Augustin Méga, que voulez-vous dire à ces inquiétudes-là? Bon, déjà, certaines informations ne sont pas... Moi, je n'ai pas certaines... Il a dit que Malcolm Barcola était prêté. Malcolm Barcola est aujourd'hui le troisième gardien de Lyon. Il a préparé la Champions League, il a participé à la Final Eight. Et il est le troisième gardien. Et Lyon vient de céder Tata Roussalou. Et Malcolm Barcola, automatiquement, devient le deuxième gardien. Et pour le moment, c'est lui qui est titulaire en équipe réserve. Bon, on me dit qu'il a été prêté. Bon, l'équipe Lille joue, ils ont joué la semaine passée. Bon, on me dit qu'il a été prêté. Moi, je n'ai pas cette information. Non, il y a eu Hakim qui est blessé, c'est vrai. Mais bon, on a d'autres solutions. Bientôt, vous aurez la liste. On essaie d'anticiper sur tout ça. Bon, mais et contrairement à ce qui est dit, Dieu n'est pas encore en compétition. Ce n'est pas le propre du Togo seul. Les autres pays aussi sont dans la même situation. En compétition, peut-être c'est exagéré, peut-être ils ont repris les séances d'entraînement. Le championnat n'a pas encore commencé. En Espagne, et Steve Lawson a repris les entraînements depuis 3 semaines, donc il n'est plus blessé. Mais le championnat n'a pas encore repris là-bas, mais Steve Lawson n'est plus blessé. Il est en mesure de pouvoir jouer. Il joue avec son équipe actuellement, les matchs de préparation. Et donc, sur tout ça, on suit tous les joueurs, la situation de tous les joueurs, et c'est en fonction de ça que la semaine prochaine, la liste va sortir. Alors, lorsqu'on prend tous ces paramètres aujourd'hui, quelles sont les forces justement de cette équipe du Togo face à cette équipe des Pharaons? C'est vrai, toutes les sélections n'ont pu jouer avec cette histoire du Covid, hein, mais on sait que sur le marché, les joueurs togolais n'arrive pas toujours à se faire un trou lorsqu'on fait la comparaison. Aujourd'hui, que peut-on dire de la sélection togolaise? Elle est rassurante, elle est moyenne. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, vous avez la chance d'avoir vous là-bas. Dans la communication. Mais moi, je peux vous dire, on a parlé tantôt du Bénin.
Sachez qu'avant que le Bénin arrive à cette forme aujourd'hui, le Bénin a commencé le travail avec Tchomogo. Le Bénin a raté deux CAN avec Tchomogo. Et la dernière qui nous a profité d'ailleurs en 2017. Et c'est après ça que Dussuyer... C'est une suite. Dussuyer n'est pas venu mettre tout de suite une équipe en place et qui est tout de suite compétitive. Le travail a commencé depuis 6 ans. Et vous voyez aujourd'hui la lisibilité de la vision du Bénin en termes de mise en place des infrastructures. En dehors des 22 stades, il y a 6 académies que l'État met en place pour la formation, les compétitions des jeunes. C'est tout ça qu'on met en place pour avoir une pérennité dans la compétitivité des sélections. Si vous ne faites pas ça, il vous arrivera ce qui arrive aujourd'hui au Togo. À savoir que vous avez une génération qui arrive à une maturité, qui fait des résultats, et dès qu'elle part, vous plongez et vous balbutiez et vous découvrez encore une autre génération qui, elle aussi, elle fait des résultats. Et quand vous analysez bien les performances de l'équipe nationale du Togo, nous sommes à la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo n'en a participé qu'à 8, ce qui fait une participation sur 4. Ça veut dire qu'il nous arrive de faire des performances, après nous retombons parce que l'équipe n'arrive pas à régénérer. Vous avez parlé tantôt de l'Égypte. L'équipe U23 de l'Égypte est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Ça veut dire que l'Égypte a de quoi régénérer son équipe, même si les salaires, tout ça, ne sont pas là ou ne sont pas en compétition, ce qui n'est pas notre cas. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire des résultats. Mais puisque vous avez parlé des forces ou des faiblesses de l'Égypte... Oui, Jean-Paul Dossier, oui, techniquement, les forces et autres du Togo actuellement, on parle de la sélection à Nyon. Ça fait un bon mois qu'on n'a pas retrouvé l'équipe, donc c'est compliqué de dire que, bon, les forces ou bien les faiblesses de notre équipe. Nous, on sait qu'aujourd'hui, vu les résultats qu'il y a eu avant, on a plus droit vraiment à l'erreur. Il faut faire un bon résultat. Mais comme je l'ai dit, il y a deux matchs amicaux qui vont arriver. C'est là qu'on va voir si aujourd'hui les joueurs sont prêts. Puisqu'on n'en a pas beaucoup. Ça, vous pouvez regarder de gauche à droite, les joueurs n'en a pas beaucoup. Dans le peu qu'on a, mais on va voir au prochain regroupement si vraiment physiquement ils sont prêts pour le match à venir. On revient à la sélection à prime maintenant. Vous êtes le sélectionneur. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Vous avez parlé de programme qui va être rapidement mis en place et que les séances reprennent. Vos souhaits par rapport à cette préparation concrètement, que voulez-vous concrètement? Non, concrètement, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'à la fin de la semaine prochaine, on arrive à démarrer le regroupement. D'autant plus que dans cette équipe, il y aura certains qui vont faire partie de l'équipe première. Donc ça le permettra d'être un peu en compétition avant d'aller avec l'équipe première. Donc je pense que si on arrive à démarrer là, ce serait une bonne chose. C'est, au contraire, il va falloir attendre et ça risque d'être très compliqué. Il faut recommencer tout, en fait, avec cette équipe. Et là, ça va être compliqué. D'ici là, vous avez des idées sur des matchs amicaux à discuter avec certaines sélections, tout ça là? Non, on en avait parlé tout à l'heure, puisque les matchs amicaux, ça va être compliqué, puisque les équipes n'ont pas encore repris. En plus, s'il faut voyager pour aller jouer dans d'autres pays, c'est compliqué aussi. Mais ce que j'aimerais, c'est que dans un premier temps, on demande d'abord le stade ici, pour voir, parce qu'il y aura un groupe élargi, comme je l'ai dit, avant de voir à peu près ce que je peux amener en stage. J'aimerais bien revoir tout le monde. Vous irez là sans match amicaux ou bien sans match amical? Non, non, ou si, bien si, vous si, allez si. Le faire sur le terrain non, ici. Non, si non, c'est non, il y aura des matchs amicaux. Les deux semaines de préparation qu'on va entamer premièrement, ça va me permettre de dégager une équipe et à partir de là, on va commencer maintenant à chercher des matchs amicaux. Sinon, pour l'instant, oui, on en cherche, mais au départ, la date n'était pas fixée. Maintenant que la date du Charles est fixée, là, on va voir comment on va faire après. Sinon, tout est programmé. Les dates des matchs amicaux, si tout rentre dans l'ordre, mais tout est prévu. Iko, vous voulez vous prononcer sur cette première participation du Togo au CHAN? C'était un souhait pour nous tous. Et quelle était notre surprise quand cette situation sanitaire est arrivée? Beaucoup vendaient très 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 cher la peau de l'équipe togolaise par rapport d'abord aux éliminatoires. C'était inédit. Faire tomber le Nigeria, ce n'était pas facile. Et on avait tiré chapeau à cette équipe-là. Et on comptait sur ces joueurs. Et tout à l'heure, Augustin parlait de succession des joueurs de l'équipe A.
toute notre attention était sur cette équipe-là par rapport à sa participation au CHAN. Et on comptait sur peut-être une relève au niveau de l'équipe A. Tout à l'heure, Abalo disait que quand vous prenez au niveau de l'équipe A, il n'y a pratiquement pas de joueurs. On ne peut pas ratisser l'âge. C'est pratiquement les mêmes. Voilà pourquoi les résultats sont comme ça. Peut-être que le staff technique fait le travail, mais comme d'abord, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Quand tout à l'heure, on parlait au niveau des goals, on a cité que Malcolm. Vous voyez, même chose au niveau de la défense, c'est pratiquement les mêmes qui arrivent, même en attaque. Donc, l'équipe, la porte est trop petite pour que les gens puissent entrer. Parce que, d'abord, notre championnat également, il faut voir le niveau de notre championnat ici. Or, avant, quand les Dossiers jouaient, même au pays, il y avait déjà une concurrence. Les professionnels qui venaient étaient sous concurrence des locaux. Et des fois, même les locaux qui entraient même étaient plus que à la hauteur des professionnels qui arrivaient de l'étranger. Malheureusement, on n'a plus ça. Donc, notre espoir était basé sur cette compétition du CHAN pour pouvoir faire sortir peut-être les meilleurs pour mettre un peu de concurrence au niveau de l'équipe A. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et puis, la situation que nous avons vécue, le coach, moi, je me plains pour lui. Les joueurs qui ne s'entraînaient pas, même sur le plan national, c'était interdit que des joueurs même puissent se regrouper, s'entraîner. Tout cela a fait que pratiquement, ça va être à refaire. Ça va être à recommencer et je crois que le staff technique aura du boulot. Maintenant, si à travers ces stages-là, on peut sortir certains pour pouvoir faire quelque chose, moi je dirais que c'est ça mon souhait. Quoi. Donc, les joueurs également qui ont appris les dates maintenant vont commencer par s'aguerrir, se mettre peut-être en jambe avant le regroupement et peut-être là, j'espère qu'on puisse trouver quelques éléments pour pouvoir faire une bonne participation au CHAN. Le Togo CHAN, Aristide, c'est une réalité désormais. Hein, et on recherchait cette qualification. Le public sportif voudrait voir son pays à cette compétition. Désormais, c'est fait avec Jean-Paul Dossé à Balo. Malheureusement, cette situation de crise sanitaire est arrivée. Les joueurs sont restés chez eux. Est-ce que ça pourrait impacter la performance des joueurs, que dites-vous? Vous avez peur par rapport à la sélection togolaise? Non, j'ai pas peur. Ouais. Parce que, évidemment, je me dis, c'est un nouvel état d'esprit hein, avec lequel, évidemment, les joueurs vont devoir aborder cette nouvelle campagne. Je me rappelle, quand on a commencé les éliminatoires, beaucoup ne vendaient pas très cher la peau donc, de ces éperviers. Évidemment, enfin, la peau du Togo, on disait quand même que le Togo, face à l'Égypte, enfin, face au Nigeria, n'avait pas beaucoup de chance. On était de ceux qui pensaient véritablement que le Togo allait faire quelque chose. Mais évidemment, nous ne sommes pas en championnat. C'est ça la grosse difficulté, comme le disait tout à l'heure Ico Rodrigue. On a l'impression parfois que quand des joueurs togolais sont bons en championnat, une fois que le niveau est élevé, on met le niveau, c'est-à-dire on joue au plan international face au Bénin, ceux qu'on considère comme étant nos meilleurs joueurs sont méconnaissables, on ne les reconnaît pas. Donc je crois que c'est un travail qui va se faire même après ce championnat d'Afrique des Nations. Mais pour l'heure, je pense évidemment que nous avons quand même les ressources nécessaires. Les Takei, Marouf et autres nous ont émerveillés tout au long de cette campagne. Je crois qu'à la reprise, ils auront quand même cette lucidité. Et évidemment, lorsqu'ils étaient au stage, je vais dire, au Burkina Faso, on a vu quand même qu'il y avait l'envie, la détermination de la part de ces joueurs. Attention, le Togo va jouer avec le Maroc tenant du titre, évidemment avec l'Ouganda et le Rwanda. Je pense que le Togo a ses chances dans cette compétition. Si le Togo arrive donc à franchir le premier tour, je pense évidemment, comme on l'a vu au tournoi de l'Ifoa, il y a beaucoup plus de chances. Parce que en cas d'élimination directe, ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez être éliminé donc lors de la séance des tirs au but. Il faut surtout les encourager. Mais ce que moi j'ai constaté lors des dernières séances d'entraînement, vous allez au stade municipal, vous remarquez évidemment qu'il y a un travail de fond qui manque au niveau des joueurs eux-mêmes dans leur club. C'est maintenant que le sélectionneur est parfois obligé de travailler, je vais dire les béaba et ça dit. Des choses qui, en principe, sont enseignées dans des écoles de foot ou même devaient être travaillées en club. Ça ne nous encourage pas vraiment à avoir une certaine confiance en ces joueurs. Mais du moment où ils nous ont toujours convaincus, nous ont surpris de la plus belle des manières, je pense qu'aujourd'hui, il faut les encourager. On verra ce que ça va donner.
puisque le Togo n'a jamais participé à cette compétition, on attend de voir. Mais Iko a touché également un aspect très important. Je pense que c'est le manque de compétition. La Côte d'Ivoire, c'est 25 millions d'habitants. Tout a repris de l'autre côté. Le Togo, selon le dernier recensement, je crois que c'est près de 7 millions, voire 8 millions d'habitants. Mais jusque-là, on n'a pas encore donné la chance aux athlètes de reprendre des compétitions. Je ne sais pas si au même moment, on doit être exigeant vis-à-vis des joueurs et au même moment, lorsque les autres sont en compétition. Parce que je dis, dans le football moderne, ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne. Mais c'est celui qui surprend son adversaire par sa façon de jouer. Et donc, quand nous prenons tout ça là ensemble, je pense qu'évidemment, le Togo peut quand même faire quelque chose à ce championnat d'Afrique des Nations. Donatisso, lorsque vous regardez le groupe dans lequel loge le Togo, Aristide en a parlé, hein, le Maroc, l'Ouganda et puis le Rwanda, c'est des pays habitués. Le Rwanda avec son football direct, l'Ouganda, football athlétique. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est un groupe difficile. Là, c'est quand même un fait. Mais il faut dire que dans ce contexte particulier, seul l'aspect physique, seul l'aspect tactique ne vont suffire. Aujourd'hui, toutes les équipes sortent quand même d'une situation assez particulière. Moi, je dirais que l'équipe qui aura quand même un bon collectif, qui aura un bon groupe, un groupe qui vit bien, surtout l'aspect psychologique, l'aspect moral, si c'est au top à ce niveau, cette équipe-là pourra surprendre au niveau du CHAN. Donc, on a suivi de bout en bout le parcours des éperviers locaux, depuis surtout la qualification pour le CHAN. On a constaté que ce groupe vit bien. On a constaté qu'il y a une bonne ambiance au sein de ce groupe. Je ne pense pas que le coronavirus a fait disparaître cette ambiance. Donc, si ces joueurs se retrouvent là, ils vont reprendre quand même les vieilles habitudes. Ils se connaissent très bien parce qu'ils jouent pratiquement dans pratiquement les mêmes clubs. Ils jouent en championnat également. Ils jouent aussi sur les terrains périphériques. Donc, moi, je dirais que ce groupe vit bien. Donc, à Balo, j'essaie de trouver quand même la formule nécessaire ou l'osmose pour véritablement s'y prendre au niveau du champ 2020. Ça va être très difficile pour la balle de fin, ça c'est sûr. Hein. Parce que vous cessez les entraînements pendant même... Il est là, il a fait même le haut niveau. Même après un mois, il faut recommencer. Hein. 3 mois pour revenir. Et là, nous sommes déjà à 6 mois, mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Le groupe, l'état d'esprit du groupe est là. Maintenant, il y a les conditions physiques des joueurs. C'est ça qui est difficile à retrouver. On peut avoir l'ambiance, on peut avoir peut-être l'intention de bien faire. Si les muscles ne répondent pas, ça va être difficile. Maintenant, comment faire pour ramener les muscles? C'est à travers les compétitions. Malheureusement, on est un peu en compétition. Les entraînements ne vont pas changer non plus les compétitions. C'est là où c'est difficile. Et c'est là où moi j'ai dit, bon, peut-être que la même situation soit au niveau des autres pays également, pour que nous partions sur le même pied. Jean-Paul, vous avez un plan pour remonter les joueurs physiquement et dans tous les aspects? Ne vous inquiétez pas, moi j'attends seulement qu'on donne notre question. Le feu vert. Le feu vert, parce que si le feu vert a un mois de la compétition, c'est compliqué. Et ce ne serait pas les mêmes entraînements si c'est donné 3 mois avant. Donc, moi, j'attends que ce moment, et après, voir les joueurs, je vais voir comment on va travailler avec eux. Vous avez les moyens de les reconstruire physiquement? Oui, il y a les moyens, oui. Le groupe, ça vous inquiète? Ça dit le Maroc qui est tenant du titre, le Rwanda, l'Ouganda? Non, mais de toute façon, c'est un fait. Donc, on sait que le Maroc, c'est l'équipe qui a gagné la dernière compétition, je pense. Oui. Donc, le Rwanda et l'Ouganda sont des habitués. C'est pratiquement leur équipe première, ces deux équipes. Donc, nous, on n'y va pas sur la pointe des pieds. Hein. Comme je l'ai dit aux joueurs, c'est un bonus pour nous. Si personne ne pensait qu'on allait se qualifier, on va aller pour défendre fièrement notre peau. Et moi, je suis confiant. Très confiant. Alors, s'il faut conclure sur cet espoir d'aller faire une très belle performance au CHAN, c'est le souhait de tout le public togolais d'ailleurs. Que voulez-vous dire? Les rassurer, ce public-là, leur dire oui? Non, c'est tous de faire confiance à leurs joueurs, de leur mettre la pression aux joueurs. Je crois que c'est ça qui les inhibe un peu des fois. Donc, je pense que si on est tous unis derrière cette équipe comme on l'a fait pendant les éliminatoires, je pense qu'elle est capable de faire quelque chose. Très bien. Augustin Méga, oui. Au niveau de la sélection Fanion, que peut-on retenir? D'abord, au niveau de la sélection Aprime, dont je suis également le chef de compétition. Moi, je pense qu'il est un peu trop tôt pour qu'on commence par parler de ce qu'on peut aller faire là-bas, parce qu'on n'a même pas encore commencé les préparatifs. Vous avez parlé tantôt des primes de qualification. Ce n'est pas de nature à motiver les joueurs, ce genre de situation. Il va falloir régler ça très tôt. Il ne faut pas forcément attendre l'approche de la compétition avant de le faire, parce que ça démotive non seulement ceux qui ont réussi à qualifier l'équipe aujourd'hui, mais également ceux qui vont le faire demain.
Vous savez, quand on était allé au Burkina, dans le cadre des préparatifs, ouais, on jouait contre l'équipe du Burkina. Sur le terrain, pendant que nos gars gênaient les joueurs burkinabés, ils disaient à nos joueurs, mais pourquoi vous tenez tant à nous empêcher de marquer? De toute façon, vous n'avez même pas encore vos primes. Mais nous, quand on va gagner ce match, on aura encore de l'argent. Vous n'avez rien. Et puis vous... Ah bon, donc, ils se moquaient de nos joueurs sur l'air de jeu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est de nature à motiver. Et puis, de deux choses, nous, membres du staff, ça nous met vraiment mal à l'aise vis-à-vis des joueurs. Ouais. Parce que ce staff, nous avons l'habitude d'être assez durs avec les joueurs sur le plan de la discipline. Quand tu es dur avec ton enfant, tu dois être capable de défendre ses droits. Et quand, par rapport à cette histoire de prime, nous n'arrivons pas à bouger, ça diminue notre pouvoir vis-à-vis des joueurs. Mmh. Donc je crois que tout ça mis ensemble, ça vaut la peine que cette histoire-là, qu'on en sorte. Qu'est-ce qui fait le problème au niveau des primes? Vous en savez quelque chose? Ce qu'on nous avait dit au départ, c'est qu'il y avait un déficit de tests, et aucun test ne fixait les primes pour l'équipe A prime. Et même pour l'équipe A, ça a été réglé de façon par la volonté politique. Donc le ministère des Finances ne pouvait pas de lui-même fixer les primes de qualification. Et donc on a évolué, je crois que maintenant ça c'est déjà réglé. Maintenant c'est la priorité à la pandémie qui fait que cette histoire... Il y a ce retard. Ouais, qui est encore ce retard, mais je crois qu'on doit, faire un effort pour qu'on en sorte et qu'on envisage sereinement les préparatifs. Et la deuxième des choses, c'est qu'on est dans un groupe assez difficile. Quand on aura fini les préparatifs, je pense qu'on reviendra ici, parce que notre souhait, c'est de partir de Lomé pour le Cameroun. Et là, vu l'état d'esprit, vu l'état de forme des joueurs, on sera capable de dire en toute franchise ce que nous pourrons aller faire au Cameroun. Mais quand on est le petit Togo à avoir éliminé le Nigeria, qui a déjà gagné ce trophée, je pense qu'on doit légitimement avoir des ambitions d'aller le plus loin possible à la phase finale. Il reste maintenant les préparatifs à faire convenablement pour nous donner les chances de surprendre comme on l'a fait en éliminant le Nigeria. Et par rapport à l'équipe A également, c'est la même chose. Je pense que depuis un certain temps, le gouvernement togolais fait des efforts sur ce plan. Iko l'a dit tantôt, nous disputons presque toutes les journées FIFA des matchs amicaux. Et même si nous avons des faiblesses structurelles, tenant l'absence de sélection de jeunes, de compétition de jeunes, de formation, d'infrastructures, qui font que, entre autres, on n'a pas l'effectif de joueurs que beaucoup de pays ont aujourd'hui. Je pense que pour encourager le gouvernement dans la dynamique qui est engagée, il faut à tout prix bien négocier les matchs contre l'Égypte, nous relancer dans la poule et nous qualifier pour la prochaine CAN, afin que, comme le Bénin, nous ayons dans le développement du PND quelque chose qui ressemble à ce qui se fait aujourd'hui au Bénin. Parce que si nous ne nous mettons pas à faire ce qui se fait dans les autres pays, on a beau dire nous sommes mondialistes, tout ça, le nom du pays ne suffit pas. Parce qu'avec ce que le Bénin est en train de faire, dans 1-2 ans, je ne vois pas le Togo être en mesure de rivaliser avec le Bénin dans toutes les catégories des sélections. Donc il va falloir qu'on se mette vraiment au travail, qu'il y ait une volonté politique, qu'il y ait une vision, qu'on décline et qu'on mette en œuvre de façon à ce que... Parce que nous avons les talents. Au Togo, nous avons les talents. Il reste la formation, il reste les infrastructures, il reste le football à la base. L'année dernière, les 2 années qui ont suivi, le Togo a commencé par faire des efforts. Nous avons été l'une des rares fédérations en Afrique à avoir mis en place toutes les sélections dans toutes les catégories. Quand bien même il n'y avait pas de compétition de jeunes, on avait la sélection U17, sélection U20, sélection U21, U23, et toutes les sélections compétit. Ça commence par venir, c'est comme ça. Il faut qu'on perdure dans ces efforts-là, et au bout, on aura les résultats. Si Olouvade n'est pas en forme en sélection A, on sait qu'il y a la sélection U21, U23, et la sélection locale, on ira piéger là-bas. On ne va pas aller voir dans le championnat anglais ou français s'il y a un nom qui ressemble à un patronyme togolais. On ne construit pas une sélection comme ça. Quand vous êtes obligé de construire une sélection comme ça, vous ne pouvez faire que des performances cycliques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez la chance qu'une génération arrive à maturité, elle fait des résultats, mais dès qu'elle part, quand vous êtes en transition, vous n'êtes pas capable de rivaliser avec les autres. Tous les pays aujourd'hui travaillent.
On a vu ce que les Comores sont en train de faire, ce que Madagascar a fait à la CAN. Il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petits matchs en Afrique. Il faut travailler. C'est le travail. Sans le travail, on a beau s'appeler le Togo, on ne peut pas rivaliser avec le. Merci Augustin Améga, patron de la communication des sélections A' et A. Merci d'être venu. Jean-Paul Dossé à Ballot, merci d'être venu aussi. On aura le temps de nous revoir pour parler du CHAN et de la sélection Fanion. Excellent week-end à vous. Merci de faire confiance à la référence sportive. Voilà, c'est samedi sport comme tous les samedis. On va parler maintenant de la direction technique nationale avec la nomination de Nyeni Moussoudou Sebabi au poste. Oui, John Atissou, au niveau de votre rédaction, comment avez-vous accueilli cette nomination de Nyeni Moussoudou Sebabi? C'est un choix surprenant parce que on ne s'attendait pas à cela. Quand on voit le parcours, le pedigree de la personne, quand on voit également les critères qui ont été détaillés au niveau de l'appel d'offres, on ne s'attendait pas à voir Nyeni Sebabi à la tête de la direction technique nationale. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un choix assez surprenant, mais je ne vais pas quand même être alarmiste à ce niveau. On va essayer de voir ce qu'il va apporter à cette direction technique nationale-là, parce qu'on sait que depuis un certain temps, le Togo n'arrive plus à enchaîner de bons résultats, que ce soit au niveau des jeunes et au niveau de la sélection nationale. Donc le plus gros du travail, c'est la formation, c'est de permettre quand même aux jeunes joueurs qui sont détectés de véritablement connaître un processus et d'arriver au très haut niveau. Mais on ne le sait pas, je veux parler de Nyeni Sebabi, on ne le sait pas, un formateur. Paraît-il qu'il aurait dit qu'il n'est pas un formateur, j'ai eu cette information quelque part. Donc, mais aujourd'hui, il est à la tête de la direction technique nationale, on espère de voir ce qu'il va véritablement apporter à notre équipe nationale. Mais quand on voit son passage au niveau de la SOTR, ce n'est pas une équipe qui a joué les premier rôle au niveau du championnat de première division. Quand on voit également son parcours, ce n'est pas quand même un parcours assez, assez étoffé pour véritablement prendre une direction technique nationale en bonne et due forme. Mais comme je viens de le dire... Est-ce que ce n'est pas trop tôt d'émettre des réserves? C'est sur le terrain qu'on le verra. Oui, c'est pour ça que je dis que je ne vais pas être trop alarmiste. Je ne vais pas jouer quand même ou être l'oiseau de mauvais augure. On espère voir ce qu'il va apporter au football togolais. Mais quand on voit sur le papier son CV, je peux dire qu'il ne mérite entre guillemets pas ce poste. On va écouter le deuxième vice-président de la Fédération togolaise de football au téléphone de Gueuler Inoussa. Il s'agit d'Agoro Medjé-Siribi à propos de cette nomination. Nyeni Sebabi, qui n'est plus à présenter au public sportif togolais. Je voudrais, par cette occasion, d'abord saluer cet acte positif posé par la Fédération togolaise de football qui vient à travers celui-ci, régler ce vieux problème d'absence d'un DTN dans le management du football togolais. Celui qui a été recruté à la personne de Nyeni, je crois bien qu'il l'a mérité. Il l'a si bien mérité parce que aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire ou à comprendre qu'il est dans le football. Il n'est pas quelqu'un qui apparaît de nouveau dans ses serrailles, puisque c'est à l'issue d'un processus que le président de la FTF a su conduire jusqu'à terme. Le choix de la FTF a porté sur Nyeni Sebabi, mais il faut reconnaître que cela n'est pas un choix direct de la FTF. Hein. C'est un processus qui a été organisé avec au départ un premier jury qui a présélectionné et au finish un jury national qui a conduit le processus à son terme. La sélection a été sérieuse à l'œuvre qu'on verra si cette sélection méritait bien sa place. Agoro Medjé-Siribi, deuxième vice-président de la Fédération togolaise de football, à propos de la nomination de Nyeni Moussoudou Sebabi comme directeur technique national. Agoro, ouais. Qui parle de Nyeni Sebabi, Agoro, c'est quelqu'un qui connaît bien Nyeni Sebabi. Mm. Je vous rappelle, dans les années 2000, Agoro était président de l'Est Douane et Nyeni Sebabi était entraîneur à l'Est Douane. Ouais. Donc, il parle de son entraîneur qui connaît bien et Nyeni Sebabi qui a été champion de la première division en 2003 avec cette équipe de l'Est Douane, quand la SOTR était à l'Est Douane.
C'est vrai qu'il dit que Nyenis Babi, c'est quelqu'un qui n'est pas parachuté, c'est quelqu'un, un ancien qui connaît bien le football. Il a été joueur de l'AS Douanes, après entraîneur de l'AS Douanes, après entraîneur de l'AS OTR. Aujourd'hui, à la tête de l'association des entraîneurs du Togo. C'est vrai également, comme le disait tout à l'heure mon confrère, c'était un choix, on va dire, surprise, puisque même selon les informations qui nous arrivaient, dans la shortlist même, il n'était pas là, puisqu'on parlait de Charles Tocqueley et de Tchalilé Tchakala et tout. Mais bon, comme il vient de le détailler, monsieur le deuxième vice-président Agoro Medjessiribi, c'est un choix qui a été fait d'abord par un premier jury, ensuite par un jury national. Je ne sais pas comment ça a été fait, on n'est pas dans le secret des dieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut en expérimenter à la tête de la direction technique nationale. Par rapport à ce qui a été fait au temps de Akusa Kamelio et de Elicha Kodjo-Lanou, aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la fédération, le cahier des charges a été défini d'une autre manière, ou bien d'une manière, on va dire, un peu professionnelle, où ce ne serait pas un directeur technique pour une direction technique, mais ce serait peut-être une direction qui va diriger la direction technique nationale. Ce serait une équipe qui va travailler. Là, je veux croire que, peut-être à défaut de l'inexpérience, peut-être de Nyenis Babé, il se fera entourer de bons techniciens. Et quand tout à l'heure, mon confrère parlait des différentes catégories à mettre en place, au sens de formation, au niveau même des formateurs, tout cela, c'est la direction technique qui échappe de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, même si on peut dire que Nyenis Babé n'a pas de sélection, le choix est déjà fait, il va falloir que lui-même, il s'entoure maintenant des techniciens pour pouvoir élaborer un projet. Je sais que peut-être, avant qu'il ne soit choisi, le jury qui a eu à travailler là-dessus a bien étudié son projet pour pouvoir le retenir en défaveur des autres concurrents. Aristide Quévillain, oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette nomination? Beaucoup disent que le nouveau patron technique du foot togolais n'a pas le coffre nécessaire pour occuper ce poste. D'autres disent non, il faut lui laisser le temps de pouvoir faire parler le terrain. Oui, au niveau de votre rédaction à Afrique Info Sport, comment avez-vous accueilli cette nomination? D'abord, je considère que la nomination de Nyenis Babi est un choix par défaut. C'est vrai? Oui, parce que comme c'est-à-dire, les uns et les autres l'ont dit, on ne s'attendait pas par rapport au profil, disons, à sa nomination. Vous disiez la dernière fois qu'il a eu beaucoup de chance. Oui, il a eu beaucoup de chance, évidemment. Parce qu'au début du processus, il lui manquait certaines conditions. Mais je pense que le monsieur, il a été très chanceux. En complétant par la suite, son curriculum vitae. Ça, beaucoup ne le savaient pas. Je vous avais dit la dernière fois que, avant même les dernières élections de la Fédération togolaise de football, il a eu la chance donc d'être envoyé en mission. Il était jusqu'à cette époque-là, même jusqu'à aujourd'hui, le patron des entraîneurs, c'est-à-dire il dirigeait l'association des entraîneurs. Et donc, il a participé à plusieurs formations de haut niveau. Pour pouvoir s'armer. Alors, j'ai dit un choix par défaut parce que quand il participait à cette formation, moi personnellement, je pensais que c'était pour la sélection U20 qu'il dirigeait par intérim après le décès donc, de Feu Ayivé et Kouévi. Alors, je comprends par la suite que il était toujours dans le processus et d'ailleurs, dans ce studio, il nous avait dit quand il s'agissait d'une rumeur concernant la sélection de Tchalilé Tchakala, que jusqu'à preuve de contraire, il n'était pas convoqué pour une interview. Et là, quand on prend le processus du début jusqu'à la fin, lors du lancement de l'appel à candidature, il a été dit que le processus prendra fin après l'interrogation des candidats, c'est-à-dire après l'interview. Et donc, du moment où les candidats n'étaient pas interrogés, on considérait que le processus n'avait pas encore pris fin. Et entre-temps, il y a eu des activités, la récente activité en termes de formation et qui a justement la relation avec la direction technique nationale, c'était la formation organisée par la Fédération et World Sport Management
Il était revenu fraîchement d'une autre formation et là, il avait animé une conférence. Et c'est là justement où il avait dit, répondant à une question d'un participant, qui n'est pas un formateur, mais qu'il est un entraîneur. Pour renchérir, enfin pour rafraîchir la mémoire un peu à mon ami John Attiso qui... Et là, est-ce que ça ne pose pas problème? Oui, parce que le poste de directeur technique national est primordial pour le développement du football d'un pays, mais quand on est entraîneur simple, est-ce que ça ne complique pas les situations? Oui, vous savez, dans des trucs comme ça, moi je pense fondamentalement que avant peut-être de porter des réserves, il faut se documenter. Selon les principes de la FIFA, il n'existe pas une formation technique pour devenir DTN. Oui. Il n'y a pas une formation qu'on donne quelque part pour dire que quand tu suis cette formation, après, tu deviendras DTN, comme on le fait pour les entraîneurs licence B, licence A, licence C, CAF, etc., etc. Alors, mais la FIFA est claire sur le principe. Pour être un directeur technique national, il faut être un entraîneur national et ayant un leadership qualifié. Quelqu'un qui peut diriger un groupe. Quelqu'un qui a un talent, qui peut manager un groupe. Voilà les principes fondamentaux. Le sens de l'organisation. Le sens de l'organisation. Le sens de leadership. Bien évidemment, c'est ce que dit la FIFA. Et donc, ici... Et dans qui a le plus haut, le diplôme le plus élevé du pays. Hein. À ce niveau aussi, la FIFA, compte tenu des expériences qu'elle a vécues avec les sélections africaines et je vais dire les pays africains, il a été dit à plusieurs formations des directeurs techniques. C'était même au temps d'Akusa et même de Licha. Les directeurs techniques nationaux étaient souvent édifiés sur ces questions. Et on s'est rendu compte que, bon, si par exemple un entraîneur ou un sélectionneur national qui est un expatrié a un niveau supérieur à celui du directeur technique national, alors que le directeur technique national est censé être au-dessus du sélectionneur national, cela pose un problème. La FIFA a été claire dans le contexte africain en disant simplement que vous collaborez souvent avec des expatriés et ces expatriés sont formés dans des pays où il y a plus de moyens, où il y a plus la facilité d'avoir des diplômes les plus élevés. Et donc, pour éviter cela, l'entraîneur national, qui est censé être directeur technique national plus tard, doit avoir, par exemple, cette condition sine qua non. C'est-à-dire, vous avez déjà dirigé une sélection, et on considère qu'en dirigeant déjà une sélection, vous avez l'étoffe nécessaire, et on a laissé de côté cette question de... De diplôme, mais qui fait au même moment partie des conditions pour être recruté comme DTN. Est-ce que Nini Sebabi a déjà dirigé une sélection? Il a été nommé, il n'a pas dirigé cette sélection U20. Oui, même si dans la constitution togolaise, on vous dit que par exemple, ça dit en l'absence d'un chef d'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va prendre peut-être, qui va assurer l'intérim. Si même... En quelques heures. Si c'est le cas, c'est Madame Tchégan aujourd'hui. Et mais quand on va compter les présidents, c'est que tu as dirigé, c'est-à-dire tu es président de cette République. On t'a nommé. Mais il ne faut pas oublier que depuis qu'il a été nommé, il travaillait en tant que sélectionneur national des U20. Même s'il n'y a pas eu de match officiel. Il a eu à travailler avec son staff, à élaborer même un plan d'action par rapport, évidemment, à la participation du Togo au tournoi qualificatif U20 pour ce qui concerne l'UFOA. Mais je pense que ce qui a aidé vraiment Nini Sebabi dans le processus de recrutement, nous l'avions appris récemment, c'est que devant le jury, il a été beaucoup plus convaincant. C'est pour ça que je dis qu'il a été chanceux dans la mesure où, en participant à cette dernière formation de haut niveau, il a eu des éléments. Franck Mounyama, vous allez vous rappeler, le jour-là, il avait un document. Quand on était dans la salle, il avait un document où il avait assez d'informations là-dessus. Des informations, normalement, qui devraient aider dans un futur proche à faire le football togolais, si vraiment on met les moyens et que cela s'applique. Maintenant, devant le jury... Il a été considéré comme le plus convaincant avec le programme qu'il a. Je vous ai dit qu'on peut avoir, on peut demander à quelqu'un de monter un dossier. Mais pour défendre ce dossier, c'est également un autre problème. Quelqu'un peut vous monter un dossier, oui, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais une fois devant Iko Rodi, président de jury, mais du moment où vous allez tâtonner, on sait en même temps que bon, c'est que vous avez monté le dossier, mais vous n'avez pas les éléments nécessaires. Et le dernier élément que peut-être les gens ont oublié, au-delà de l'aspect technique, il faut être sélectionneur, il faut être ci, il faut avoir dirigé, tant, 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 tant.
Il y a un dernier aspect, et même après l'interview, c'est l'enquête de moralité. Il s'est fait également que dans cette enquête de moralité, parmi les candidats, il y a par exemple un qui sait bien, enfin, en matière de communication, il s'illustre de la plus belle des manières. Vous le connaissez mieux que moi. Moi, je ne le connais pas. C'est qui? Non, mais... Oui, c'est qui? Vous gardez le nom. Non, je ne vais pas garder le nom, mais je vais peut-être, ça dit, donner la conclusion mmh. et vous allez comprendre ce que je voudrais dire. Mmh. Mais au-delà de ça, au niveau de l'enquête de moralité, les autorités, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que cette personne, par exemple, au-delà du fait qu'elle a le diplôme, qu'elle a ici et ça, est-ce que cette personne... enfin, je prends juste un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ne prend pas de l'alcool parce qu'un directeur technique national, normalement, est censé avoir une bonne moralité. Est-ce que cette personne, par exemple, s'habille bien parce que devant les experts de la FIFA... disons, un directeur technique national doit être un gentleman, il doit séduire parce que c'est l'image du pays. Et donc, quand vous prenez tout ça ensemble, on se rend compte que mais, ceux qui doivent faire l'enquête de moralité doivent rendre compte aux autorités pour dire, après la première étape sur étude des dossiers, après la deuxième étape sur la question des interviews, la troisième étape qui consiste donc à faire l'enquête de moralité, voilà les résultats. Et on met tout ça ensemble, on soumet au comité. Et le comité en collaboration c'est avec le ministère. C'est ce qui a joué en faveur de Ninissi Babi. C'est ce qui a joué. Moralité surtout. Oui, mais. Très bien. Évidemment. Mmh. Enfin, quand John parlait tout à l'heure de peut-être des propos de Ninissi Babi qui faisait allusion au fait qu'il n'est pas un formateur, mais qu'il est un entraîneur, c'était dans le contexte de ce séminaire qui était organisé. Il était au séminaire en qualité d'entraîneur. Mais au-delà de ça, par rapport à ce que Aristide a dit, c'est vrai qu'on peut dire que c'est par chance. Parce que quand vous voyez effectivement les critères, Ninissi Babi, c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure qu'il fut d'abord joueur, un bon défenseur d'ailleurs, qu'il fut un entraîneur pendant longtemps de l'Est Douane, avant que l'Est Douane ne se transforme en SOTR. Il a été même à la tête de l'Est Douane, il a été champion hein, du Togo avec la grande génération de l'Est Douane qui est arrivée. Après une première saison, une deuxième saison en première division qui a arraché le titre de champion du Togo. Et puis, la chance également pour lui, c'est qu'il est arrivé à un moment où il y a, on va dire, une communion hein, autour des entraîneurs et c'est lui qui se retrouve à la tête de cette association. Ça également, ça fait un. Mais peut-être ce qui a encore milité pour lui, c'est que c'est vrai que ce n'est pas forcément les membres du comité exécutif qui ont pesé dans son choix. Mais il faut dire que par rapport au vécu, par rapport également aux connaissances de la personne, c'est là où je rejoins peut-être Aristide quand il parlait de moralité, il a eu plus de relations hein, au sein de ce comité exécutif. Je ne dis pas forcément, puisque M. Médicevi l'a dit, que ce n'est pas le comité exécutif qui a tranché, mais quelque part, dans l'enquête de moralité, peut-être que ces voix-là également ont compté. Très bien. Mais c'est que aujourd'hui, ce qui me réjouit, c'est que nous n'allons pas assister à une seule personne à la direction technique, mais ça va être une équipe, et vivement qu'il puisse constituer une bonne équipe par rapport à son projet qu'il a eu à développer devant le jury. Bien. Très rapidement. C'est bien quand on parle de Ninissi Babi. Oui, il va falloir qu'il s'entoure quand même de personnes expérimentées, mais il faut que Ninissi Babi, qui est à la tête de cette DTN là, ait quand même une certaine expérience. Aujourd'hui, moi je pense qu'on est assez minimaliste de la situation. Moi je pense également qu'on doit mettre à la tête de cette DTN là quelqu'un qui est rompu à la tâche. Je n'ai rien contre Ninissi Babi, mais quand on voit son parcours, je le dis, je le répète, quand on voit également son CV, aujourd'hui on a besoin de quelqu'un qui puisse permettre au Togo d'avoir un football assez élogieux, assez quand même enviable hein, sur le continent. Mais aujourd'hui, quand on voit, je le dis encore, je le persiste, quelqu'un qui a dit, même si c'est lors d'un forum au niveau de la fédération, qui a dit qu'il n'est pas un formateur, mais un entraîneur, alors que quand on prend un directeur technique national, il est beaucoup plus censé hein, être un formateur, être quand même un leader, être quelqu'un qui puisse quand même suivre des jeunes jusqu'à à leur âge de maturité, ce que n'est pas a priori Ninissi Babi. Donc, à mon niveau, ça pose problème.
Très bien, on va écouter Reynard Kosivi, Hippolyte David, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football, à propos de la direction technique nationale ou bien du directeur technique national. David Hippolyte Kosivi-Reynard, la direction technique nationale, qu'est-ce que c'est ? La direction technique nationale, qu'est-ce que c'est ? Pour que le football se développe dans un pays, il faut qu'une direction technique mature. Celui qui est appelé à animer la politique de développement du football doit avoir d'abord un certain âge, c'est essentiel. Il doit avoir une somme d'expérience en football, pas un jeune. Regardez en France ceux qui ont été les directeurs techniques. Il y a eu Michel Hidalgo, il y a eu Aimé Jacquet, il y a eu Henri Émile, il y a eu Joseph Mercier, il y a eu Henri Michel. Donc tout ce monde, c'était c'est, au-delà de 50 ans. Oui, c'est des gens qui ont fait leur expérience sur le terrain. Et puis ce n'est pas n'importe qui que l'on choisit. C'est le patron technique, il contrôle tout. Pour avoir une direction technique nationale digne de ce nom, il faut que ce soit des professeurs d'éducation physique. Pourquoi ? Les professeurs d'éducation physique, dans leur formation, ils ont eu la psychologie, ils ont eu la sociologie, ils ont la planification, ils ont le leadership, la ils ont la communication, ainsi de suite. Il est recommandé par la FIFA que la fédération s'adresse au ministère des Sports pour que le ministère des Sports mette à sa disposition un professeur d'éducation physique, option football. Vous ne pouvez pas nommer un directeur technique national qui n'est pas la notion de psychopédagogie. Parce que sur le terrain, il aura à faire des recherches. Et d'ailleurs, un directeur technique national, c'est un chercheur. Il travaille dans un laboratoire pour repérer les causes du retard du football. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui élabore la philosophie de jeu du pays ? Le directeur technique national doit s'intéresser beaucoup plus au football des jeunes. C'est un homme de terrain alors ? Oui, U15, U17, U18, U20. C'est la base qui développe le football, ce n'est pas les seniors. Puisque les seniors sont appelés à être remplacés. Et le remplacement doit se faire à partir de la base, c'est-à-dire les jeunes qui montent, ainsi de suite. Nous ne pouvons pas développer le football si nous n'avons pas les minimes, les cadets, les juniors et les pré-seniors. Il faut ça. Aujourd'hui, la direction technique nationale, c'est une structure très sensible. Une direction technique nationale, c'est une structure aussi importante que la structure de la fédération elle-même. Voilà, donc vous voyez, il a un rôle important. Bien sûr, un haut cadre recruté parmi les professeurs d'éducation physique et sportive. Or, les professeurs d'éducation physique ne sont pas des maîtres d'éducation physique. Un professeur d'éducation physique, c'est quelqu'un qui a eu son bac, qui a fait 4 ans d'études universitaires et qui a une licence en enseignement d'éducation physique, c'est ça. Dans l'organigramme, il doit avoir une collaboration étroite entre le secrétaire général et le directeur technique national. Vous voyez. Si on comprend bien, on ne doit pas mettre quelqu'un à ce poste par complaisance. Le népotisme, comme on le dit, doit disparaître. Si nous voulons l'efficacité, le développement, le népotisme, on doit l'enrayer. Il faut a right man in a right place. Parce que le football, c'est un phénomène trop sensible pour confier ça à une main maladroite. Donc, il faut nécessairement que l'on fasse un choix qui puisse permettre au Togo d'aller fouiller, bêcher dans tous les villages, dans tous les recoins du Togo pour sélectionner les joueurs, chacun dans sa catégorie. C'est comme ça que le football peut progresser, vous voyez. C'est le ministère qui choisit sur proposition de la FTF. La direction technique utilise beaucoup de notions, de recherche, de sociologie, de planification et de gestion, de communication. Donc il faut que ce soit au moins un universitaire. Parce que c'est une affaire, mais ce directeur technique aura travaillé avec le laboratoire de recherche en éducation de l'université. Il aura travaillé avec eux. Il aura même besoin pour des tests psychotechniques, ce que nous ne faisons pas ici. Un entraîneur pour le nommer, il faut qu'il fasse d'abord un test psychotechnique.
qu'on sache s'il est apte à diriger. Voilà. C'est pas la fédération qui choisit. Non, c'est le ministre qui choisit. Merci David Hippolyte Cossivi-Reynard pour ses explications autour de la direction technique nationale. Et voilà ce que pense David Hippolyte Cossivi-Reynard, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football, ce qu'il pense donc du directeur technique national, celui qu'il doit être, son niveau, son profil, tout et tout ramassé dans cet entretien de 5 minutes. Merci, monsieur. Alors, c'est fait, la nomination est là, on connaît désormais celui qui doit pouvoir fabriquer cette philosophie qui sied au football togolais. Est-ce que le Togo doit évoluer en 3-5-2, en 4-3-3, en 3-4-3, en 4-4-2? C'est lui désormais, par rapport au profil de joueur dont dispose le Togo, c'est lui qui a la lourde responsabilité de dire « Messieurs, nous devons pouvoir jouer dans un tel ou tel système et il doit pouvoir avoir les arguments pour défendre ça, John. » Oui, effectivement, c'est le plus gros du travail à faire, parce qu'aujourd'hui, il est déjà nominé à la tête de la direction technique nationale. Maintenant, il faut se remettre vite au travail pour véritablement booster le football togolais qui est en perdition depuis quelques années. Maintenant, au niveau du système tactique, paraît-il, parce que c'est un entraîneur qui a pour habitude d'évoluer en 4-4-2, qui défend également ce système-là, même dans des interviews. Donc, peut-être que dans les prochaines saisons, prochaines années, le Togo va évoluer en 4-4-2. Maintenant, comment convaincre les autres entraîneurs au niveau des sélections de jeunes, au niveau des sélections de la sélection Fanion à véritablement jouer ce rôle-là? C'est là où il y a le petit bémol. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a la poigne nécessaire ou également cette rigueur-là ou également cet art de pouvoir convaincre les autres entraîneurs ou pourquoi pas le sélectionneur national Claude-Marie-François Leroy pour que nous puissions avoir une équipe ou des équipes togolaises qui jouent de la même façon, parce que cela permettra aux jeunes joueurs de pouvoir véritablement progresser dans de bonnes conditions, parce qu'ils ont l'habitude de jouer dans ce système-là dès leur bas âge et ça leur a suivi jusqu'à ce qu'ils ne grandissent. Donc aujourd'hui, il va falloir véritablement qu'ils puissent travailler dans ce sens-là pour qu'on ait dans les années à venir une bonne équipe togolaise qui est reconnu par son système tactique, et également reconnu par son style de jeu. Il semble qu'il a déjà remis son plan d'action à la Fédération togolaise de football. Si le comité exécutif de la FTF est d'accord là-dessus, il doit pouvoir sortir l'argent pour financer ce plan d'action du directeur technique national, ce qui veut dire que c'est un travail collégial, c'est tout un département, toute une équipe qui doit pouvoir fonctionner. C'est un peu ça la direction technique nationale. Ça ne s'arrête pas au seul individu de Nyeni Sebabi. Évidemment, c'est même ça le but. Et voilà pourquoi nous essayons de faire une comparaison entre la direction technique peut-être de M. Akusa Kamilo des années 80 ou de récemment de M. Elitia Lanou. Aujourd'hui, beaucoup s'attardent sur le système de jeu. Ça, ce n'est qu'un aspect parmi tant d'autres aspects. Vous avez tout à l'heure parlé de plan d'action. Il faudrait qu'il ait les moyens de son plan d'action. Il faudrait qu'il y ait des personnes ressources. Quand on parle de système de jeu, ça, il y a plusieurs systèmes avec d'autres animations. Maintenant, comment instaurer une hiérarchie d'abord dans sa direction technique nationale, dispatching des rôles, et maintenant, comment faire exécuter chaque secteur. Et je pense que c'est ça qui est très important. Et tout cela a besoin de moyens. Et nous avons dit que ça passe d'abord par la formation des formateurs. Il faut que ça commence par là. Parce que quand aujourd'hui, nous prenons l'aspect système de jeu et que nous disons que ça doit être quelque chose qui doit être inculqué au football togolais, comment ça se fait? Quand vous savez que la charge de la formation, c'est les formateurs, les entraîneurs qui sont à la base de la formation. Alors que les entraîneurs même ne possèdent pas l'idéologie du directeur technique national, ou bien de la direction technique nationale. Donc c'est pourquoi je dis, il faut qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau du comité exécutif de la Fédération de football ou au niveau de l'État, que le directeur technique national, qui aujourd'hui a l'assentiment du public ou bien du football togolais, puisse avoir les moyens pour pouvoir faire évacuer ces plans.
Aristide, oui, il faudra forcément donner les moyens. Il n'y aura pas, on va dire, cette habitude, cette mauvaise d'ailleurs. Oui, on n'a pas de moyens, il n'y a pas d'argent. Il va falloir faire fonctionner la direction technique nationale en mettant les moyens qu'il faut. Oui, je crois que cela commence évidemment par la mise en place des infrastructures. La FIFA encourage la formation dans les pays en ce qui concerne même le football féminin aujourd'hui en Afrique et même partout ailleurs dans le monde. La FIFA est en train de mettre beaucoup de moyens. Et donc, pour que cela puisse être véritablement mis en place, il faut, disons, un cadre qui puisse accueillir ceux qui doivent travailler. Ce qui n'était pas forcément le cas pour les prédécesseurs donc, de Niénis et Babi. Aujourd'hui, on a la chance avec le projet Forward donc, d'avoir une infrastructure, d'avoir cette direction technique nationale qui va devoir abriter les départements. Qui parle de direction, parle donc des départements. Et donc, dans ce département, par exemple, selon les recommandations de la FIFA et selon ce qui se fait dans les pays qui nous entourent, on peut avoir, par exemple, un département qui va s'occuper de la formation des jeunes, département licence jeunes. Il peut y avoir, par exemple, un département pour encadrer les compétitions nationales et internationales, un département, évidemment, pour s'occuper de la communication interne de cette direction technique, pas forcément de la fédération. Mais la direction technique nationale doit avoir sa propre communication interne. En ce sens que lorsque, par exemple, il y a des formations quelque part, cette direction technique nationale doit avoir des vidéos, elle doit avoir des photos, elle doit avoir, disons, des données numériques pour pouvoir, disons, illustrer, disons, ses activités. Quand, par exemple, demain ou après-demain, on aura besoin d'une vidéo, par exemple, de tel joueur, le directeur technique, on peut se référer à la direction technique nationale. Ah, tel joueur a été formé dans tel centre, on se rappelle, a participé à tel projet de formation, tel entraîneur a été formé en telle année, etc. etc. Voilà comment ça se passe dans les pays, dans les autres pays. Et la FIFA envoie toujours de l'argent. Maintenant, en ce qui concerne le système de jeu, je pense véritablement, à mon avis, que ça ne sera pas vraiment la première préoccupation de Niénis, comme l'a dit tout à l'heure Ico Rodri. Il faut laisser les systèmes de jeu aux entraîneurs, aux sélectionneurs de s'en occuper. Il va beaucoup plus, dans son plan d'action, s'occuper de la formation. C'est-à-dire que quand vous prenez les joueurs qui sont dans nos clubs aujourd'hui, c'est que la plupart sont devenus des footballeurs sans passer forcément par, disons, les centres de formation. Mais par contre, quand vous prenez les adversaires que le Togo rencontre lors des compétitions internationales, vous prenez par exemple les joueurs sénégalais, la plupart sont sortis donc de Génération Foot, de Diambas et des autres centres. Vous prenez par exemple les Ivoiriens, il y a la secte Mimosa. Vous prenez les Maliens ou les mêmes au niveau du Cameroun. Il y a eu deux centres depuis les années 1980 où les deux brasseries donc, du Cameroun ont mis en place donc, des centres de formation. Je pense que ça va être la première préoccupation donc, de Niénis. Comment faire pour qu'un joueur qui sera formé en 2020 puisse être compétitif, puisse être suivi jusqu'en 2030 et intégrer, par exemple, une équipe nationale, à l'une des équipes nationales. Je crois que ça va être fondamentalement sa mission. Parce qu'en termes de système de jeu, un sélectionneur fait son choix en fonction des joueurs qu'il a à sa disposition et en fonction du résultat qu'il veut obtenir. Et de l'équipe adverse. Est-ce que je vais avoir un match nul en fonction de ça, en fonction des joueurs? Est-ce que, par exemple, je veux jouer en 4-2-3-1? Je veux jouer en 4-4-2? Le système de jeu, en réalité, ne se choisit pas par hasard. Donc, c'est pour ça, le directeur d'équipe nationale ne sera pas forcément sur le terrain lorsque, par exemple, les éperviers locaux de Jean-Paul Abalo vont... Enfin, il peut être sur le terrain, observer, et peut-être par moment, prodiguer du petit conseil aux joueurs et au staff technique, mais pas de dire, par exemple, au sélectionneur local... Voilà le système que je vous impose désormais. Parce que ça peut poser un problème. Il peut proposer. Non, ce n'est pas sa mission. Oui, parce que d'ailleurs, c'est l'une de ses missions. La philosophie du jeu, du pays. Non. Quand on parle de la philosophie, vous mettez quoi dans tout ça? Non, mais chaque équipe avec sa philosophie. Quand vous prenez l'équipe de France, par exemple. C'est le patron technique. Non. En réalité, c'est ça aussi. C'est-à-dire, il y a ce que nous disons et ce qui se fait dans la réalité. Quand vous prenez, par exemple, un directeur technique national et au même moment, on se dit, c'est lui le patron technique. Mais celui qui a l'obligation de résultat, un entraîneur est jugé par rapport à ses résultats.
Quand par exemple Abalo de Seine n'aura pas de résultat avec la sélection locale, ce n'est pas le directeur technique qu'on va accuser. Lui, il peut avoir, oui, par exemple... il peut discuter avec les entraîneurs au vu de la philosophie de jeu que veut asseoir le Togo. Ça va être une discussion. Il ne viendra pas imposer ou bien dire « Désormais, faites-moi ceci ». Non, ce n'est pas comme Franck, ça. C'était, oui, mais Franck, si vous permettez, Franck, ce n'est pas une nouveauté. Il y a des grandes nations de football qui l'ont fait. Quand je prends l'exemple de la Belgique, aujourd'hui, quand on voit les Eden Hazard, les Marouane Fellaini, les Nasser Chadli et autres, c'est parce qu'au début des années 2000, il y a eu ce directeur technique national qui est venu et dit qu'à partir de maintenant, avoir quand même le style de joueur que nous formons, il va falloir que toutes les catégories des sélections et encore en club évoluent en 4-3-3. C'est dans ce système tactique-là que ces joueurs-là ont évolué. Et aujourd'hui, c'est le même système que Roberto Martinez. Oui, attendez. Non, cela ne se fait pas, je ne vous coupe pas, mais cela ne se fait pas au niveau des sélections. Au niveau des sélections également. La Belgique est l'exemple palpable. Oui, ça s'est fait au niveau des sélections également. Ce n'est pas au niveau des sélectionneurs. Mais c'est au niveau de la formation des formateurs, c'est au niveau de la formation des entraîneurs. Comme Franck l'a dit. Et ces entraîneurs-là, ce qu'ils acquièrent au niveau de la sélection technique nationale, ils vont inculquer ça au niveau des sélections. C'est bien ça. Mais ce n'est pas forcément le directeur technique national. Des fois, erreur de langage. Tout le monde pense que le directeur technique national est au-delà des sélectionneurs. Non. C'est seul le comité exécutif qui est au-delà. Au-dessus des sélectionneurs. Il les contrôle. Il travaille en collaboration. Il les contrôle. Et l'effet de la direction technique nationale se ressent au niveau de la formation. Comment ? Par rapport au stage avec les entraîneurs. Pas forcément aux séances d'entraînement avec des entraîneurs. Non, on ne parle pas ça. C'est quoi le rôle du directeur technique national ? C'est de quand même structurer le football sur le plan local. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et quand on refait cette structuration-là, il y a beaucoup d'aspects dont quand même le système tactique. Non, mais je reviens toujours sur l'exemple de la Belgique. Cela a été fait au niveau de toutes les catégories, au niveau des sélections et au niveau des clubs. C'est ce qui a permis aujourd'hui à la Belgique d'avoir ces joueurs-là qui maîtrisent le 4-3-3, qui ont évolué ensemble, le résultat positif. C'est ce qu'on veut. Au niveau de Ninis et Babi, je chute là-dessus. On ne dit pas que Ninis et Babi impose un système tactique au Togo. Mais en discussion avec les entraîneurs sur le plan local, les directeurs techniques régionaux et autres, ok, quand on voit la taille de nos joueurs, le style de nos joueurs, la façon dont nos joueurs évoluent, nous voulons ou je préconise que nous puissions évoluer dans tel système tactique. Ok, si ils adoptent cela, quand on met cela en jeu, moi je pense que c'est fondamental parce que le football c'est quand même une répétition. Quand on arrive à le faire de façon répétitive sur une longue durée, ça devient quand même très facile et on peut avoir des résultats. C'est quand même fondamental qu'on puisse mettre en place. Très rapidement, Aristide, est-ce que vous êtes d'accord qu'un directeur technique national, c'est celui-là aussi qui mène des recherches, qui est capable de savoir, lorsque je prends un joueur d'une telle région, il est capable, il est costaud, il est endurant, il supporte les charges. C'est ça. Par exemple, lorsqu'on prend par exemple Feu Tiangai Mazameso, c'est un défenseur difficile à passer, il est rude, il est physique. Là, on peut dire que lorsqu'on prend des joueurs de la région, par exemple, septentrionale du Togo, c'est des joueurs qui sont costauds, qui sont physiques, qui n'ont pas peur d'aller faire des efforts, de les répéter. Lorsqu'on prend des joueurs, par exemple, dans la zone d'Anéo, du Sud, par exemple, c'est des joueurs techniques qui savent dribbler. Lorsqu'on prend des joueurs de la zone de la région centrale, c'est des joueurs qui ont cette disposition naturelle à être technique. Donc, le directeur technique doit avoir tout ça. C'est lui qui détermine tout ça. Oui, mais ça dit à côté de ce que nous disons, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a la réalité. Mais je voudrais dire à John Atiso que l'exemple qu'il a donné n'est pas en réalité le meilleur exemple. Puisque la Belgique est un pays, je vais dire, européen. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau de la FIFA, il y a des statuts standards. Mais chaque pays, en fonction de ses réalités, par exemple, s'adapte et élabore évidemment les autres statuts.
En Côte d'Ivoire, par exemple, vous prenez les élections, on parle de groupements d'intérêts, on parle de parrainage. Ici, au Togo, on ne parle pas de parrainage, on parle plutôt des ligues et des clubs et des groupements d'intérêts comme les associations des entraîneurs qui sont les membres. Donc, ça veut dire que oui, chaque pays avec ses réalités. Oui, il faut transporter c'est l'exemple que vous venez de donner, c'est d'accord, mais... On dit souvent le football est un jeu universel ou bien... Oui, mais le football est universel. Mais la gestion administrative du football ne peut jamais être universelle. Vous pouvez vous inspirer de ce qui se fait au haut niveau. C'est un peu comme la gestion d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on vous dit, pour gérer une entreprise, vous devez avoir un système d'information, un système de décision. Mais en fonction de votre activité et en fonction des éléments que vous avez, vous pouvez dire... Moi, je n'ai pas besoin, par exemple, du département communication. Je vais avoir un contrat avec une agence de communication pour gérer ma communication. Je veux, par exemple, avoir un directeur des ressources humaines parce que je n'ai pas assez de ressources humaines, etc., etc. Maintenant, quand vous prenez cette gestion administrative, c'est ce que je dis. La priorité de Yenis et Babi aujourd'hui, c'est évidemment la formation. Il faudrait qu'on sente qu'avec la direction technique nationale, on a tel résultat et que demain ou après-demain, si on n'a pas encore cette direction technique nationale, on n'aura plus les mêmes résultats. C'est ce qui va être la nouveauté. Parce que à quoi ça va servir d'avoir une direction technique nationale et d'avoir toujours les mêmes résultats dans 10 ans? Ce que Yenis et Babi va faire aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour 2020, pour 2021. Mais c'est d'asseoir une politique de formation dans toutes les régions pour que demain ou après-demain, dans 10 ans, le Togo ait de futurs Adebayor, le Togo ait quand même des joueurs qui puissent relever le défi. La Belgique, et oui. Que le Togo ait une identité de jeu. Mais le Togo ait une identité de jeu. Mais ce que je voudrais le dire, en donnant l'exemple de la Belgique, je vous disais tout à l'heure que la FIFA a déjà travaillé avec les anciens directeurs techniques nationaux. Vous prenez Elitcha, les Akusa, ils ont déjà travaillé sur des points. La FIFA a remarqué que pour ce qui concerne les sélections habituellement, c'est, disons, l'État, à travers le ministère, qui décide parfois du recrutement de ces sélectionneurs. Et on remarque évidemment qu'en termes de leadership, il y a par exemple... Prenez par exemple, demain ou après-demain, on nomme Hervé Renard, par exemple, comme sélectionneur des Éperviers. Et quand vous prenez par exemple celui qui est censé être directeur technique national et Hervé Renard, c'est-à-dire en termes de leadership, en termes de notoriété, vous voyez qu'il y aura une petite différence. Et donc, la FIFA a dit, au niveau de l'Afrique, mais au niveau des pays africains, étant donné que c'est vos pays, puisque ailleurs, quand ils donnent l'exemple de la Belgique, c'est le directeur technique national qui propose le sélectionneur et qu'on recrute. En Afrique, c'est peut-être l'État qui dit, en fonction de mes relations, monsieur le président de la fédération, désormais, Franck Lounyama est votre sélectionneur. Et donc, on ne peut pas faire cette comparaison du moment où, dans les pays africains, il y a une politique des États. Oui, on ne respecte pas forcément les règles ici. Mais souvent, c'est sur proposition. Tout ça, c'est sur proposition de la fédération. Mais il y a des pays où la fédération ne propose même pas. Oui, mais on t'appelle de là, c'est demain. Un forcing. Oui. C'est un forcing qu'on fait. On ne respecte pas les règles. Mais qui sort l'argent? C'est l'État qui sort l'argent pour gérer les sélections tout. Mais ce n'est pas le devoir de l'État quand même d'aller chercher un sélectionneur. Ça, non. On ne va pas encourager ça. Dans l'ordre normal des choses, c'est la direction technique nationale qui doit proposer un sélectionneur à l'État pour qu'il... Très bien, on va terminer. On a plus très rapidement. Je ne comprends pas pourquoi Aristide exempte le système tactique au niveau de la formation. Quand on parle de la formation, c'est un tout. Le système tactique également en fait partie. Parce que dès le bas âge, on doit inculquer certaines valeurs tactiques aux joueurs. Et c'est non, là. Et c'est à partir. C'est pour les formateurs. Pas pour les sélectionneurs. Non, on ne parle pas que des sélectionneurs. Quand je donne l'exemple de la Belgique, je ne parle pas que des sélectionneurs. Je parle également de la formation au niveau des clubs. Mais pas que la Belgique. Aujourd'hui, quand on parle de l'Espagne, pratiquement tous les joueurs espagnols sont techniques. Quand on parle de l'Italie, tous les défenseurs italiens sont pratiquement Ils sont formés dans les centres de formation. C'est de ça que je parle. Oui. Quand on prend la formation au niveau du Togo, avec Yenis et Babi, il va falloir qu'on ait une certaine base tactique. On l'aura. Très bien. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que vous terminez. Les Togolais veulent que peut-être sur 10 ans, le Togo enchaîne des cannes. Les Togolais veulent que chaque fois qu'il y aura une édition de Coupe d'Afrique des Nations, que le Togo y participe. Et ça passe par là. Les Togolais veulent que si véritablement le Togo doit avoir des bons joueurs, qu'on ait des joueurs techniques qui puissent avoir
disons, une certaine notoriété. Et tout ça, vous ne pouvez pas laisser de côté la rigueur tactique, l'identité de jeu, tout ça. Non, mais voilà, ça, on va, c'est un élément parmi tant d'autres. Oui, ça, on est d'accord là-dessus. On va voir les auditeurs. Peut-être qu'ils font foutre éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Hein. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça, ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs, les auditeurs, les auditeurs, les auditeurs. Anas, quelqu'un? Oui, allô? Oui, à voilà, plus en ligne. Oui, Faustin. Oui, grand frère. Tout va bien? Je vais bien, vous. Ben, on rend grâce. Monsieur Yovo, comment tu vas? Je vais très bien, Coron. C'est débrouillé pour donner des explications, mais ça accroche toujours. Mais ça va aller, nous sommes en Afrique. C'est ça. Vous savez, la réalité africaine est différente de la réalité européenne. Quand vous prenez tous les exemples sur Belgique, l'Italie, en passant par, je ne sais pas trop, les États-Unis, nous sommes en Afrique et nous sommes au Togo. Au c'est Togo, tu vas voir qu'un club qui joue championnat peut-être à 4 ou 5 millions. Et tu vas lui faire savoir d'aller changer de technique pour faire quoi. Donc, moi, je pense que le ministre de la vie, il a un bagage vraiment. C'est pas un petit bagage, il est en train de charger. À lui maintenant d'aller voir la fédération va voir le ministère ou soit le gouvernement, ils vont essayer de dire pour que le footballeur togolais marche. Sinon, aller former un dieu, aller voir un technicien dans notre club là, moi je pense que c'est ça qui va le faire même échouer même. Non mais c'est son travail, il ne va pas imposer des choses, mais... Je le sais, monsieur Franck, oui. Quand tu prends Gomido, il doit gagner ses matchs en fonction de le moyen qu'on lui a, son président lui a donné. Tu prends Dito, pareil. Tu prends Asdouan, ainsi de suite. Temati, pareil. Maintenant, moi, directeur technique national, je vais dire à l'entraîneur de Dito pour dire, je veux que tu me fasses ce système-là. Est-ce que le système-là, ça m'arrange, tu vas gagner le match que je suis en train de préparer? Non, ce n'est pas ce qu'on dit, en fait. Hein. Ça devait être une discussion, une collaboration. Le directeur technique va apporter... Je vous comprends pas, tu vois. Mais c'est là tout se termine, quoi. En tout cas, lui va faire son travail, si on lui donne les moyens. Lui doit faire son travail avec la fédération et le ministère et le gouvernement. Très bien. Le reste, là, il n'a qu'à oublier ça. Allez, à très bientôt, excellent week-end. Oui, le 97-24-26-26 et 92-03-60-31 pour participer à cette émission. Merci de nous faire confiance. Merci d'apporter vos contributions. Samedi Sport sur Sport FM. Voilà, on va pouvoir recevoir encore quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Emmanuel. Emmanuel, vous nous appelez d'où? Oui, je voulais juste dire... Vous appelez d'où? Nous arrêtons au Togo de courir dans les sacs de riz, quoi. Parce que tout ce qu'on on vient de faire, la nomination de la DTN, bon, je pense que ceux qui ont fait ce travail ne possèdent pas la science infuse. Nous tous, nous sommes au Togo, nous voyons celui qui peut être là-bas. Et nous ne vont pas nous dire qu'ils ont fait un travail remarquable que nous ne voyons pas. Eh oui, c'est qui? Vous pensez à qui? Il faut nommer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous pensez à qui? Oui? Vous pensez à qui? Non, je n'ai pas le choix, mais nous savons que tout ce qu'il y a, par exemple, l'autre qui est en Europe là, c'est des gens peut-être qui ont un peu de poigne qui peuvent faire quelque chose. Oui, mais est-ce qu'il est sur le terrain? Est-ce qu'il connaît la réalité du pays? Oui? Est-ce qu'il connaît la réalité du pays? Charles Tocqué, c'est de lui que vous parlez. Pas forcément qu'il connaît la réalité du pays, mais bon, il y a aussi quelque chose à apporter. Mais bon, il y a aussi l'autre là, Tchanilé, bon, c'est des gens. Mais bon, mais avec ce choix-là, je ne... Aïe, on l'a perdu. C'est comme ça que Nini Sebabi aussi a quelque chose à apporter. Ouais, à bientôt, excellent week-end. Allô? Bonjour, Sporafem. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radio 91.9. Oui, One Love. Bonjour. One Love, tout va bien? Oui, on regrette pas la grâce divine. On a pu laisser la vie.
On dit quoi? Moi j'ai dit que bon, le vin déjà tiré, hein. Il faut le boire. Oui, c'est vous de le boire, quoi. C'est ça. Donc, félicitations. Bon, on n'a plus rien, c'est la vie. C'est ça, parce que je viens de le dire, le vin déjà tiré. Très bien. On le souhaite des meilleurs, hein. Oui, à très bientôt. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom? Aboubacar. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Ablogame. Ablogame, ok, allez-y. Oui, ce que moi je voudrais dire, il faut que les Togolais cessent de critiquer des choses comme ça. Diminuez le volume de votre poste, s'il vous plaît. Ok. Il faut que les Togolais cessent de critiquer des choses comme ça. On a cherché le directeur technique, ça fait longtemps. On a que tout le monde était d'accord qu'on trouve un directeur technique. On l'a trouvé. Laissez-le. Il va travailler, nous allons voir tous. Même ceux que les gens souhaitaient qu'ils soient des directeurs techniques, ils sont des mêmes. C'est le Togolais, on ne nous a pas envoyé un étranger. Je ne sais pas pourquoi les gens critiquent. C'est un Togolais comme les autres. Et ce n'est pas la fin du monde. S'il a fait son travail, c'est après deuxième mandat. Si on va le renouveler, on va le renouveler. Son équipe l'autre bien. C'est ce que moi je remarque. À propos de l'équipe nationale B, moi je pense que, sincèrement, il faut qu'on se fixe sur l'équipe B pour qu'ils travaillent bien, pour qu'on les mélange l'équipe A. Parce que ça va nous avantager. Pour la chambre. Merci. Voilà, c'est ce que moi j'ai apporté. Très bien, merci. Avantage pour le Chan. Très bientôt, excellent week-end. Cher ami, allô? Allô. Oui, bonjour, cher ami. C'est Germain Dagoué. Pardon? Germain Dagoué. Germain Dagoué. Oui. Ok. Bon, c'est justement pour vous dire bonjour. Bonjour. À tous ceux qui sont sur le plateau, particulièrement. Oui. Bon, moi, ce que j'ai à dire sur la nomination de M. Ni, bon, dans le foot togolais, tout ça, on sait que Ni, il est présent. Quand même, on lui reproche certaines choses, nous, on le connaissait, on le connaît dans le foot togolais. Le problème est qu'au Togo, on a toujours critiqué. Je ne sais pas celui qu'on va désigner aujourd'hui au Togo, on ne va pas critiquer. Ce qui est sûr. On ne peut pas choisir quelqu'un pour faire l'unanimité. Tous les Togolais. Ça, il n'y a rien à faire. Ce que nous pouvons attendre de lui, c'est le résultat. C'est comme moi je dis. On attend au résultat. Il a pu faire le miracle que le Togo attend de lui, il attend de lui. Dieu merci. On n'a pas fait mieux que ça. Ce que l'on choisit sera ce qu'il faut faire. Bonjour. Oui. À très bientôt, excellent week-end. Un dernier, non, me dit-on. Merci à Ico Rodrigue, merci à Aristide Quévidien, merci Diona Tissot, merci à Auguste Améga, qui est le patron de la communication autour des éperviers A' et A. Merci à Jean-Paul Dossé à Ballo, qui était en studio. Merci à Angelo Folicoé. Merci à tous ceux qui ont concouru à la réussite de cette émission. Merci à Elom Adovon pour la vidéo, Anas PM pour la mise en onde. À très bientôt, excellent week-end.